écoutez, nous allons démarrer ce live 8h avec un sub déjà, merci beaucoup Mel, ça fait plaisir, tu es très belle, beau, je ne sais pas, je pense belle, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement consécutif, c'est incroyable, merci beaucoup, bienvenue, ça fait plaisir. Et ensuite, on va partir sur Animal Crossing du coup, Animal Crossing qui n'attend qu'une chose, c'est, oulala, alors, calme-toi quand même, calmons-nous. C'est beaucoup trop fort, je suis désolé si je vous ai pété les oreilles. Moi, ça m'a éclaté les oreilles, les gars, sachez-le. Ok. Et bah écoutez, on va y aller. Tac. Rappelez-vous, la dernière fois, on s'était arrêté. La dernière fois qu'on avait fait un live Animal Crossing, on s'était arrêté sur. On avait eu un. Comment il s'appelait ce villageois? On a vu un habitant, il était ouf! Il était incroyable! Il était beau, putain! Il s'appelait. Choco Grenouille ou. Choco ou. Ou Chocolat. Chocloco, Choclu... Il s'appelait comment, frère? C'est moi, non? Merci beaucoup, Elios, qui se sub, et merci beaucoup aussi à Pototoki. Oh putain, ton pseudo, il est incroyable, Pototoki. Merci beaucoup, Pototoki, pour le Prime. Merci beaucoup. Il s'appelle juste Choco? Très bien. Alors, en fait, bah oui, je devais juste partir sur quelque chose de simple. Très bien. Hop, regardez, nous y sommes, il pleut sur ma petite île d'imbécile. Et merci beaucoup Dark Knight pour le sub, bienvenue, ça fait plaisir, tu es beau toi aussi, sache-le, je t'ai vu là, quand tu t'es sub, et je me suis dit, waouh, il est beau, putain, c'est fou, parce que tous les gens qui sub, ils, en fait, ils gagnent 70% en charisme, c'est directement, c'est comme ça, c'est comme dans Skyrim, les gars, bam, vous avez une compétence qui se débloque. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Bonjour à tous, chers résidents de l'île. Et on parle pas de la ville, hein. Pardon. En ce dimanche 19 juillet 2020, il est actuellement 12h45 sur notre belle imbécile. Je n'ai pas de grandes nouvelles pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais vous parler d'un sujet de saison. Pendant ma promenade sur la plage, ce matin, j'ai trouvé des coquillages estivaux aux superbes couleurs. Oh, on a des coquillages spéciaux. D'accord. D'accord. Ils sont plutôt rares en réalité. Comme leur nom l'indique, on ne les trouve qu'en été. Si vous en ramassez, vous pourrez vous bricoler un joli souvenir des beaux jours. D'accord, et bah très bien, et bah je vais récupérer des coquillages les gars. Oh. Si vous avez l'application création, vous y trouverez le plan de la couronne coquillage. Je viens de l'envoyer, vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Je trouvais qu'une couronne coquillage c'est pas forcément le truc que je voulais là tout de suite, mais pourquoi pas. Pour toutes les blagues nulles, merci beaucoup Kipsé, merci beaucoup. Ouah mon style. Ah mais c'est vrai qu'on a récupéré notre super Mario dedans. On en avait acheté un la dernière fois qu'on avait fait un live. J'ai foutu la pizza partout, putain. J'ai foutu des miettes partout, ça me rend ouf. Ah ça me rend dingue. C'est pas grave. Calme-toi Maxime, c'est pas grave. Merci beaucoup LC Game pour le sub. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors. Non, c'est pas ce que je voulais faire du tout, frère. Lâche ce truc. Voilà. Miguel. Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait acheté autant de trucs? Écoutez, on prend. Hein. J'avais oublié qu'on avait acheté autant de choses. Il y a Miguel qui nous a ramené un cadeau. Miguel. Je l'aime bien, Miguel. C'est un vrai frérot, les gars. C'est un vrai frérot. Hein. On s'en fiche. Et Miguel, il a ramené quoi? J'ai un truc. Attends, comment? J'ai un truc pour toi, papy. Il veut que je lui casse la gueule. D'où il m'appelle papy, ce fou? D'où il m'appelle papy? Sale dingue. Alors, attends. Ça, c'est quoi, ça? Jeu de plateau? Oh, j'aime bien. Oh, je l'excuse. C'est pas mal. J'aime bien. Je sais pas où je vais le mettre, mais j'aime bien. On avait récupéré la combi plongée. Oh oui, regardez-moi ça. Oh oui, hey, stylé ou quoi? Franchement, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est quoi ça, bambou à vœux? Pourquoi j'avais acheté ça, moi? Ah oui, je me rappelle. C'est stylé. Non, c'est stylé. Je sais pas où je vais le mettre encore une fois, mais c'est stylé. Ok. On avait acheté plein en plus. Bambou. Pull solstice d'hiver? J'avais acheté ça, moi. Pourquoi j'ai acheté ça? Je sais pas pourquoi. On en était, il fait 30 degrés, mais j'ai pris un pull. Bon, bah écoutez. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ah, c'est trop cool. J'adore ma petite combi de plongée. Elle est trop bien. Il est où, Choco? Toi, là. Coucou. Il est stylé, Pierrot, les gars. Il est stylé de ouf. Je t'ai fait signe l'autre jour et t'as même pas regardé dans ma direction. Sagouin. Ah, yes. C'était un problème avec moi. J'aimerais que tu m'en parles en face à face. Mais non! Je t'aime bien! T'avais un truc à me demander? Tu racontes quoi? Oui, il a commencé à m'embrouiller, les gars. Il a commencé à m'embrouiller. À tout moment, il pouvait me mettre une golden. Enfin, je tombais par terre, quoi. Ok, très bien. Alors, on a aussi notre pote ici. Moi, c'est Choco que j'aimerais voir. Écoutez, je l'appellerai Choco. Ce sera Choco maintenant, d'accord? C'est pas Choco, c'est Choco. Ok.
Alors dans le truc création, on a aussi la couronne de... Oh, on a les lingots d'or, c'est stylé ça. Oh, la couronne de coquillage est pas mal, hein. Sur la petite maison, là, l'été, c'est pas mal, hein. Du coup, ils nous font quoi? Des porcelaines, des bénitiers, des branches de corail, des clips S, escargot de mer, un coquillage estival. Ok. Ok. Ok, très bien. Miles Nook, qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ça, le boss de l'abysse. Ne vous inquiétez pas, on est là, hein. 500 Miles Nook, j'en ai vraiment pas beaucoup des Miles, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Est-ce que j'ai d'autres trucs? Non, j'ai rien d'autre. Ok, on va voir déjà ce qu'il y a dans la boutique, déjà. C'est la base. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boutique. On va se faire plaisir. Alors, déjà, il y a l'habitant le plus dégueulasse de mon île, c'est cool. Oh, le... Alors, le... Le lit est pas mal, hein. Lijon. Ouais, bon, je l'achète. Il est pas, ça ira pas dans mon décor, mais il est pas mal. Il est pas mal. Et là, c'est une planche de surf, ça? Ou c'est un miroir? Planche de surf. Mais je prends la planche de surf. Bien sûr, je prends. On est en été, les gars. Bien sûr, on prend la planche de surf. Merci beaucoup. Oh putain, là, et là, frère, tu mets, frère, tu forces aussi. Merci beaucoup. J F J D J J F J F J encore pire non. Merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et keep cool du coup, on s'est dit keep cool mais c'est déjà pris. Du coup, j'ai mis des OK d'accord, bah keep cool, très bien. Keep cool. OK, merci beaucoup keep cool pour les bits. Et du coup, donc on a acheté la petite planche de surf. Évidemment, on me file un jeu de plateau, il y a le jeu de plateau directement à la boutique. La petite bouteille est pas mal aussi, ça fait très été, j'aime bien les pirates. On comprend, tac. Tu ne seras pas déçu, au contraire. Eh bah très bien, on est ravis. Hop, attendez, tac. Ok. Et on va prendre ça. C'est le contenu de notre vitrine qui t'intéresse, c'est l'offre du jour. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur? La combi plongée, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Ombrelle papier, c'est pas mal ça, j'aime bien. Donc on achète, on achète. Et on va partir et on va du coup aller checker parce que il y avait un bail. Vous m'avez dit que... Alors c'était quoi déjà le bail? Putain, je m'en rappelle plus. En gros, il fallait trouver une certaine créature dans... une certaine créature. C'est un certain créature. Un certain truc dans l'eau et du coup ça faisait venir l'espèce de loutre là. Je ne sais plus comment elle s'appelle déjà. Thierry, Roger, Bernard, je sais pas. Mais du coup on l'a jamais eu. On n'a pas... Oh what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ce truc? À la fois ça me dégoûte et à la fois ça m'intrigue. Ah, ça me dégoûte, putain, ça ressemble à une espèce d'araignée dégueulasse, là. Une cicindelle. Mais non, mais je l'ai déjà, ça, c'est classique, en fait. Des pétoncles et Pascal. Pff, Pascal, Thierry, Bernard, au final, où est la différence? Arrêtez. Coucou, Maggie. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Chelou, cette meuf. Ok, des pétoncles. Bah, j'aimerais bien trouver les pétoncles. Oh oui, il y a aussi le fait de... Mais aussi... sachez-le. On n'a toujours pas récupéré... Vous le savez, on n'a toujours pas récupéré de requins. Et ça, c'est quelque chose que je prends personnellement. Personnellement, déjà, ok? Donc, là, le truc, le délire, c'est que je veux un putain de requin. J'en veux un. J'en veux un. Tous nos essais sont soldés par des échecs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas accepter. Merci beaucoup, Azex, pour les bits. Noémie, ne mets-toi jamais tu pars, frère. Sale folle, va. Oh, ça va. Il est peut-être temps de déménager. Non, 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 c'est non. Ne me quitte pas, t'es folle, reste avec moi. Bien sûr, je veux que tu restes. T'es une des plus belles. En fait, ça me rend ouf, tu vois. Tous mes habitants les plus beaux, ils veulent se barrer parce que je leur parle pas. Par contre, l'autre, la Sophia, la dégueulasse, là, le poulet qui est trop moche, elle, je lui parle jamais, mais elle veut pas partir. Elle est accrochée, elle veut pas. Elle est accrochée à moi, elle ne veut pas partir. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue, voyez-vous. Est-ce que je peux mettre la planche de surf quelque part? Hop, d'accord, très bien. Bon, on va la mettre là. À gauche. Et ça me rend ouf. Tu juges sur le physique, ça se fait pas? Mais bien sûr que je juge sur le physique, elle est dégueulasse! Elle est dégueulasse! Et c'est pas possible! C'est pas possible! Les poulets, je peux plus les supporter. Je n'y arrive plus, je ne les supporte plus. C'est un peu bizarre mis comme ça. Hein. La planche de surf, je vais la mettre à côté du maître nageur. Voilà, là. Ça se trouve, elle t'aime? Bah moi, je l'aime pas. Moi, je ne l'aime pas.
J'ai 7 gros requins blancs, 4 requins marteaux, 2 requins baleines, 9 requins scie. Tu peux le ban, Chloé. Ban-le, instant ban, instant... Je rigole. Alors, mais du coup, le problème, c'est que je n'ai pas de canne à pêche. Donc, on va aller acheter une canne à pêche, parce que sinon, bah, je vais trouver un requin, je vais pouvoir le capturer, ça va m'énerver. Donc, on va aller récupérer une canne à pêche, déjà. C'est ce qu'on va faire à la boutique. Choco Choco, on l'a toujours pas vu, hein. Il a disparu, il a fait ses bails, il fait sa propre aventure. Il fait son propre let's play, son propre live, mais moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai pas vu, en tout cas. En plus, j'aimerais bien voir à quoi ressemble sa petite maison, quoi. Regarde, elle est toujours là, mais regardez là, sa grosse tête, là. Attends. Oui. On va la ramener au KFC. Oh là là. J'irai peut-être pas jusque là, mais juste si elle pouvait rentrer chez elle, ça ne me dérangerait pas, quoi. Ça, je ne serais point attristé. Limite, l'inverse, quoi. Alors, on a une canne à pêche. Peut-être qu'il est chez lui, c'est vrai. Le KFC en veut même pas. On dirait elle me juge. Mais oui! Elle a une tête. Comment ça, je suis pauvre? D'où moi? Attends, moi j'ai vu des moi, je suis pauvre. Attends. Oh. Alors déjà, on va se calmer tout de suite, ok? On va se calmer tout de suite. Ok? Attends. D'où moi, je suis pauvre? D'où moi, je suis pauvre maintenant? Qu'est-ce qui se passe? On va récupérer un petit peu d'argent. On va récupérer un petit 60 000 clochettes. Ah, écoutez les gars, j'ai été... À l'époque... J'étais un business naze. Oh putain. Mais quel lapsus révélateur. Un businessman de comment ça s'appelle? Un businessman de navet. Putain. Mais quel lapsus absolument affreux. Prochain insecto safari. Un insecto safari aura lieu samedi 25 juillet. Il y aura diverses récompenses à gagner pour qui aura attrapé plein d'insectes. Ok, très bien. Passez plus tard. Oh, Choco Choco! Il est là! Merde, non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas ce que je voulais faire, putain. Coucou! Oh, Sora, ça y est, on se rencontre enfin! Tu m'as invité à emménager ici quand on s'est parlé au camping, mais je t'ai pas revu depuis. Je me disais que tu étais peut-être parti. Je suis si content d'avoir enfin pu te croiser. On va faire transpirer toute la ville à nous deux. Oh, calme-toi, frérot, par contre. Hein. Calme-toi. Je vais attendre que tu me demandes de donner quelque chose. Je vais te donner un habit. Pas sportif, parce que vous me gonflez tous à faire du sport. À me rappeler que je suis qu'une merde qui ne fait pas de sport, ok? Ça va, hein, c'est bon. J'ai le droit de manger des pizzas devant Netflix. Hein. Stop me faire culpabiliser. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux retirer là-dedans? Bah ça, en soi, dans le parapluie, l'ombrelle papier, on va retirer l'ombrelle papier et on va mettre la canne à pêche. Ok, et là, on attrape un requin les gars, c'est prévu. Je veux dire, j'ai appelé Nintendo, je leur ai dit écoutez, je fais un live 8h, il me faut un requin, il me faut au moins un requin. Et ils m'ont dit pas de soucis, on t'en met un, frérot, ils m'ont dit pas de soucis, on t'en met un frérot. Donc moi... Très bien, vous voyez, très bien. J'ai dit, ok, c'est très gentil de votre part. Donc maintenant, je le cherche. Ils ont dû le mettre quelque part. Vous voyez, je sais pas où, mais ils ont dû le mettre quelque part. Mais Sora, t'es archi musclé, je trouve. Eh, Mephisto, tu sais quoi? Attends. Tu sais quoi? Attends, Mephisto. C'est quoi, Mephisto? Parce que tu m'as dit que j'étais archi musclé. Alors t'es un peu un faux cul, t'es un peu un opportuniste, mais je t'offre un sub. Parce que t'as dit que j'étais musclé, et franchement, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, c'est cadeau, je t'offre un sub. T'es un peu un faillot, mais il fallait un faillot. Et c'est à ce moment-là, c'est toi qui a été le faillot. Et voilà, tu es tombé au bon moment. Merci beaucoup Sly, qui a offert un sub aussi à Petite Renarde. Merci pour le gift. Et merci à Sora également, qui a offert un sub à Mephisto. Non mais c'est bon là, faut forcer pas quoi. Regardez-moi tous ces forceurs du coup qui disent « Ouais mais t'es archi musclé Sora !»« Ouais ça va, je vais peut-être pas le faire tout le temps. » Ça va.
Écoute Mephisto, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, je te fais des gros bisous. T'as dit que j'étais musclé. Et j'avoue, ça m'a plu. Ça m'a plu. En plus, c'était honnête, en fait. C'était honnête. C'était vraiment beau ce que tu as fait. Et ça me fait plaisir. Ça m'a régalé. Ça m'a régalé. Regardez-moi ce forceur là. Ça me bute. Alors, du coup, maintenant, ce que j'aimerais, c'est un requin du coup. Là est la question. Parce qu'on parle de requin. On parle de requin. Très très bien. Très très bien. Mais, par contre, reviens là, reviens là. Là, ce que j'aimerais, c'est en trouver un quand même. Ah, ok. Allez, un petit requin. Qu'est-ce que c'est que cette affreuse créature? Ça me dégoûte en fait ce jeu, c'est incroyable. Attendez, est-ce que je l'ai déjà ce truc là? Parce que ça me dégoûte à la fois, ça m'intrigue en fait. Hop. J'ai même pas vu si Mephisto il avait mis un message du coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors. Une cigale géante. Waouh, ça dégoûte un peu. Ça dégoûte un peu, hein. Un petit peu, hein. Merci beaucoup Firefish. Merci beaucoup pour le Twitch Prime. Merci beaucoup, bienvenue, ça fait plaisir. Tu régales, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Dans la famille. N'hésitez pas à vous abonner les amis, hein, follow. Follow c'est gratuit, le sub c'est payant mais follow c'est gratuit. N'hésitez pas à follow la chaîne, tout simplement. Ça fait plaisir. Ah, c'est à partir de 16h les requins, sans déconner, vraiment? Mais non. Il y a une heure pour les requins? C'est à partir de 16h? J'avais pas la cigale géante par contre, nickel. Mais non. La déception. La déception s'empare de moi. La tristesse s'empare de moi. Je suis triste. Je suis triste. Mais pourquoi est-ce que je t'ai demandé en plus des infos sur ton... Laisse-moi tranquille. Il parle trop, ce putain de d'hibou. Ok, et bah écoutez, on va aller plonger un petit peu et après j'irai checker des îles. N'hésitez pas à me donner vos codes d'îles. Après, pas tout de suite, pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Calmez-vous, je vous vois déjà chaud là à écrire. Ça ne sert à rien pour l'instant. Ça ne sert absolument à rien. Mais quand je vous le dirai, voilà, préparez vos îles, ça peut être sympa. Mettez-moi des belles îles, hein. Je veux dire, si vous avez mis deux cartons et un pneu, oh, c'est pas fou. Et j'ai vu, il y avait des gens, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait des gens qui préparaient des, comment dire, des petites îles. Donc, n'hésitez pas, non ça j'ai déjà, n'hésitez pas. Panda mignonne, j'irai voir ton île, j'irai voir ton île. J'irai voir ton île puisque je te vois partout. J'irai voir ton île, je ne peux pas ne pas aller voir ton île. T'es un peu un des générales de l'armée de Sora. Concrètement, on va pas se le cacher. J'irai voir ton île. J'irai voir ton île. Alors, ce que je voulais faire là actuellement, c'était voir la maison de Choco. Non, c'est pas quitté le... Non, c'est pas quitté, c'est pas quitté. Ok. C'est la carte. C'est la carte. Choco, sa maison, elle est où? Elle est en dessous de la maison des doigts de fée. Ok, enfin de la boutique des doigts de fée. Ok, bon, on y va. Je sais pas du tout à quoi ressemble sa maison. J'aimerais bien une maison tout en chocolat. Ce serait trop stylé. Je me dis, c'est possible, on sait jamais. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible, non? Après les Doomzillers, l'armée de Sora. C'est que ça, hein. Ah ça j'ai pas ça, j'ai pas ça. Y'a que des trucs dégueulasses en juillet en fait concrètement. Viens ici toi, t'es quoi? Qu'est-ce que t'es? Une Geotrupidae. Geotrupidae, c'est le genre d'insecte qui reste coléoptère. Ah coléoptère, ouais. Aïe 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 aïe. Celle-là pas tout le monde l'aura. Pas tout le monde l'aura. Alors qu'est-ce que c'est que ça du coup? C'est la maison de Choco. Ah chez Choco. Allons-y.
Une maison au chocolat? Oh non! Ambiance Chine! Oh mec, c'est trop bien la musique! Waouh, ta table elle est ouf, Choco, putain! Oh waouh! Tu peux faire tourner la bouffe! Mais c'est incroyable! Eh, tu m'as fait des petits raviolis, tu m'as fait du petit homard là. Je vois ça là, je vois un petit. Je sais pas si c'est un petit curry, je sais pas, mais tu nous mets bien un petit peu là. On a bouffé pour 14, mais. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Oui, c'est génial. Oui, c'est pas grave, les amis, si vous êtes pas sub, hein. C'est pas grave du tout, hein. Forcément, je remercie les subs parce que bah ils payent, donc forcément c'est normal que je les remercie et que je leur fasse des bisous. Mais à vous aussi, je vous fais des bisous. Bien sûr, si vous followez la chaîne, si vous avez cliqué sur le petit cœur et la petite cloche de notification, c'est tout aussi bien. Ça me régale pareil. Donc vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Bonjour, bonjour, je viens juste de me terminer ma séance de musculation de l'après-midi choupichou. On papote. Elle s'est bien passée cette visite de l'Académie des Joyeux Décorateurs. Quel score t'as obtenu? Moi? Disons que j'ai marqué peu de points, ils ont pas voulu voir ma démonstration de flexion. Pourtant sa baraque elle est trop stylée. Hein. Elle est vraiment cool. Hein. Oh là là. Ok. Et ben on s'en va. Elle était très sympa sa... Sa comment ça s'appelle sa... Sa maison. J'aime bien. Un petit peu ambiance Chine, c'est pas mal. Ah oui, le mode lent, c'est jamais le seul moyen d'enlever le mode lent, c'est d'être sub à la chaîne. Parce que si j'enlève le mode lent, les amis, je vais jamais pouvoir lire vos messages. Ça va beaucoup trop vite, et sinon je pourrais jamais vous répondre. J'essaye déjà de vous répondre, de faire un petit peu... je vous réponds un petit peu, je regarde le jeu, un petit peu je vous réponds, mais si j'enlève le mode lent, c'est fini. Je ne pourrais plus rien faire. Ok, alors là, ce qui serait cool, du coup, c'est de sauter dans l'eau. Wouh! Et de chercher des pétoncles. Parce que j'aimerais vraiment avoir un pétoncle pour trouver Bernard là. On le connaît bien Bernard. Je vais bien finir par en trouver hein. Oh c'est énorme ça. Ça j'ai déjà, c'est sûr c'est espèce d'anémone. Voilà j'en étais sûr. Putain mais The New... Comment il s'appelle ce poisson de merde déjà? Comment il s'appelle déjà ce poisson de merde? Je m'en rappelle même plus. Comment il s'appelle déjà ce poisson horrible? Bar commun! The new bar commun! Oui, Pascal, Barnard, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pareil. Est-ce que tu peux revenir parmi nous? J'aimerais juste en fait me débarrasser de tout ça là, parce que ça là, pff, tous les trucs relous là, je les ai déjà donnés en fait. Donc ça n'a pas d'intérêt pour moi. Je vais les vendre. Je vais les vendre. L'alerte m'a fait grave peur. Merci beaucoup, Mitoma, pour le sub. Merci beaucoup, bienvenue. Fais semblant de réfléchir. Parfois, j'en ai assez de ma vie de luxe pour des jets privés. Je me pose des questions essentielles comme qu'est-ce que je fais à imbécile. Et ferme ta bouche, non, reste là avec nous. Ah, une chasse au trésor? Oh! Génial! Il a parlé d'une chasse au trésor. Le feu, non? Merci beaucoup Coco Pantier pour le sub deuxième mois. Je regarde le live avec mon chat Garfield. J'adore le nom. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Allez, on fait le chasse trésor. J'en ai jamais fait. C'est tout pour toi. C'est tout toi. C'est tout pour toi. C'est tout toi. Toujours prêt à m'écouter dans mes états d'âme. Ok, je n'en ai jamais fait. Je sais pas si c'est dur ou pas. Je sais pas si c'est relou ou pas, mais j'en ai jamais fait. J'ai caché un trésor à imbécile. Tu trouves le trésor dans les temps que t'as gagné, c'est pas hyper compliqué en fait. Ah oui aussi, la machine que tu déterres, bah t'auras qu'à la garder. Comme dit, ça a vraiment rien de sorcier. Ah mais d'accord, mais du coup j'ai du temps et je ne sais pas... Attends mais du coup faudrait que j'enlève un truc à la... Putain, faudrait que je retire un truc. Faudrait que je retire un truc. Genre, toi. Dégage. Voilà. Ok. C'est dans des... Est-ce que... Alors c'est où? Est-ce que c'est dans des trous, genre les fossiles? Est-ce que c'est un bail comme ça ou pas? Ouais, je n'ai aucune idée d'où il a pu cacher ça. Wep. Ouais, j'ai vu le cadeau, mais là, je suis sur une chasse au trésor. Ça peut être partout, du coup. Ouais, je vais jamais trouver, en fait. C'est beaucoup trop grand, c'est impossible. Oh, toutes les mauvaises herbes, j'ai honte.
Ok, c'est pas ça. Très bien. Oh là 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 là. Oh mais frère, c'est trop! Oh, y'a deux trucs là. Je vais jamais trouver. Et tu dois lui ramener aussi dans les temps. Bah oui, bah, toujours plus en fait. Bah, je trouve tous les fossiles de l'île. Oui, remettre en terre. Putain. Je trouve tous les fossiles de l'île. Il me reste plus qu'une minute trente. C'est impossible, disons-le. Aïe aïe aïe. Y'a un bail là-bas, y'a un bail là-bas, attendez. Oh. Et par contre, vous voyez, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Animal Crossing. Hein. Parce que vous voyez quand même que. Voilà, oh les mauvaises herbes. Ah, les gars, c'est scandaleux. Mais putain, je devais tous les fossiles de l'île. Oui, remets en terre, on s'en fout. Aïe aïe aïe, c'est impossible. 45 secondes, c'est infaisable. Hein. Infaisable. Oh là y'a un truc, Là y'a un truc, mais putain je passe comment derrière aussi. Mais non mais là je l'aurais jamais, mais c'est sûr c'était ça. C'est sûr c'était ça. Non. Tu te fous de ma gueule, attends. On le saura jamais. Mais non, c'est encore un fossile. Mais sérieux. Bah écoute, très bien. Oh non, cet échec. Oh là là, mais c'était ma première aussi. J'ai pas eu beaucoup de chance. En vrai, j'ai trouvé tous les fossiles de l'île. Sauf celui qu'il fallait, quoi. Putain, j'ai le seum. Bah très bien, Emilien, je suis désolé, j'ai échoué. Emilien, tu peux me donner une seconde chance, parce que t'es un frérot quand même, non? Alors t'as rien trouvé, je suis déçu de ne pas avoir su t'élever à mon niveau. Oh le bâtard. Oh là là. Oh c'est... Oh, tu vois ça? C'est un peu douloureux. Là, c'est un... Oh salut toi. C'est un peu douloureux. Ça fait mal. Entendre ça, ça fait mal. C'est vrai. Il a pas pu m'élever à mon niveau. À son niveau. Aïe aïe aïe. Ça pique. Ça pique, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Merci équipe cool pour les beats. Merci beaucoup. Aïe. Goussova, tu comptes faire du FNAF pendant le live? Je vais pas faire du FNAF, je vais faire un jeu d'horreur à la fin du live. D'ailleurs, vous aurez le choix entre deux jeux. Mais pas de FNAF. Pas de FNAF. Ça dégage. Qu'est-ce que c'était? Chemise de guide. Super. Zuber. Keep cool, Dora avait la carte, pourquoi tu ne l'as pas appelée? Bah c'est une excellente question ça. C'est une excellente question et j'aurais bien voulu le faire en fait. Putain. Je viens de penser, mais soirée avec une cravate chemise, ça donne quoi? Alors avec une chemise, on m'a déjà vu et je mets une photo sur Instagram en plus de moi en chemise, genre demain ou après-demain. Mais en cravate, genre costard et tout, genre mariage. Bah ça m'arrive... Ça m'arrive très rarement. La dernière fois que j'ai été vraiment genre cravate et tout et tout, c'était peut-être c'était quand? C'était il y a... Je m'en rappelle même, genre cravate, genre vraiment truc de mariage, mais je crois que c'était il y a 9 ans, je crois. Ou un bail comme ça. 6 ans, 6 7 ans, un bail comme ça. Bah ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Un mariage tranquille, pas le mien, hein, calmez-vous quand même, pas le mien, celui de mes parents. pas le mien. Moi c'est encore un poteau les gars, c'est encore un poteau. Hop, un quart d'eau, ça on s'en fout, ça on s'en fiche aussi, ça on s'en fiche, tac tac. Tout
Tout ça, j'ai déjà, en fait. Non, tout ça, j'ai... Non, ça, je l'ai pas, je l'ai pas. Voilà. Ok. Tu nous caches des choses, Sora. Mais non, pas du tout. Au contraire, hein, je vous ai dit plein de trucs. Ça va. D'ailleurs, ça m'a tué, ça. Est-ce que vous savez, quand même, qu'il y a des gens... Il y a des meufs, c'est des meufs surtout, il y a des meufs qui sont en train d'éplucher chaque meuf que je follow sur Instagram. Chaque meuf que je follow sur Instagram. Et elle leur envoie, est-ce que t'es la meuf de Sora, sinon t'es qui? Et là j'étais là. Ah oui, quand même. Ça vous titille tant que ça de pas le savoir. merci beaucoup Erkan. Yo t'es trop fort, merci beaucoup, ça fait plaisir, merci pour le sub. Merci beaucoup. Ouais, mais ouais, c'est ouf. Et en fait, ce qui est triste, c'est que bah, ma meuf et moi, on se follow pas sur Instagram, en fait. Donc, parce que bah, les gars, je suis pas bête. J'ai quand même couvert mes arrières. Donc, bah, ils peuvent chercher longtemps. Ça va être très long. Ça va être très très long. Bah, ça va même jamais arriver, en fait. Donc, voilà. Mais du coup, j'étais là, ah ouais, quand même. Je m'attendais à qu'il y ait des forceurs, tu vois. Je m'attendais à qu'il y ait des forceurs. C'était sûr. Mais, à ce point, j'étais là, ah oui, d'accord. Il y a une meuf à qui il travaillait pour SFR, pour le défi, je sais pas si vous avez suivi la vidéo, bon elle est pas encore sortie, elle va sortir en fin de mois, voire début de mois prochain. C'est une vidéo où je suis allé en Bretagne pour la 4G+ de SFR, ça vous dit quelque chose ou pas? En fait j'étais avec une meuf qui s'occupait de moi du coup au niveau des réseaux, parce que bah, forcément quand tu travailles avec une marque t'as des obligations, donc je devais mettre un certain nombre de stories avec un certain hashtag etc etc, c'est elle qui s'occupait de tout ça, c'est elle qui vérifiait un petit peu. Et il est énorme ce poisson. Et non, il est pas si énorme que ça, c'est un putain de bar commun. Et en fait, juste parce que du coup j'ai regrammé une story d'elle, elle a pris 250 abonnements et des dizaines de personnes qui lui demandent si c'est ma meuf. Ça me bute, les gars, mais sérieux quoi. Sans déconner vraiment à ce point. Du coup voilà. Je trouvais ça drôle, un peu gênant aussi, parce que bon quand même quoi, c'est mes collègues de taf. Mais voilà. Comme quoi, la curiosité est un vilain défaut, les gars. On vous l'a tous dit, hein. Ouais, d'où, voilà, à niveau forceur, on est pas mal. Hein. Les forceurs, à niveau forceur, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Moi, après, ça me fait rire, tu vois, parce que du coup, les gens traquent, ils chassent, quoi, ça me bute. Mais bon, faites autre chose, hein. Vous gagnerez du temps. Oh! C'est quoi ça? Putain, une limace de mer. Je pensais que c'était un pétoncle. Ça ressemble à quoi une pétoncle? Un espèce de coquillage? J'ai des Ayano dans la communauté. Bah ouais, hein. J'ai des Ayano, c'est clair. C'est clair. Ça ressemble à quoi? C'est un gros coquillage? Ok. C'est un gros coquillage. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Hop. Voilà. Tiens, si jamais, Panda Mignonne, tu veux me filer en chuchotement, je sais pas si tu peux me chuchoter ton code deal, n'hésite pas, comme ça j'irai checker, je vais aller checker ton deal un petit peu. C'est ouf parce que en vrai, on a quand même, le dernier live qu'on avait sur Animal Crossing, on a quand même cherché pas mal de fois, hein, et putain, les pétoncles, genre c'est si chiant que ça à trouver, c'est si rare que ça? C'est vraiment rare? Perso j'en ai eu plein, non c'est pas rare. Ah ouais non mais c'est une blague en fait, c'est juste moi qui ai pas de chance quoi en gros concrètement. Concrètement c'est comme ça que je le comprends quoi. C'est juste que j'ai pas de chance, c'est ça? Au pire ouais, au pire Pandamian tu le files à Chloé. Et Chloé me le filera sur Oh! Pétoncle! Chloé me le filera sur Twitter. Fais plutôt ça, c'est mieux. Waouh! Et y'a Pascal qui est apparu comme ça là, Bernard il est apparu d'un coup. Il est apparu d'un coup. Eh hey man, ton pétoncle là, je peux l'avoir? Bien sûr, tiens. Quelle générosité, man. Merci. C'est comme ça que j'imagine parler. Hein. Comme t'as été sympa pour le pétoncle, je t'ai laissé un petit plan de bricolage pour te remercier. Va te falloir des perles pour ce plan, mais on peut parfois en trouver au fond de la mer.
Quand j'en trouve, je les ramasse aussi, mais en échange d'un pétanque, on pourrait s'arranger. Chez moi, c'est donnant-donnant, et ça rime avec gagnant-gagnant, man. Ça me bute. Je l'imagine vraiment parler comme ça. Mais je vais pas te laisser partir sans partager une pensée à méditer. Attention, si t'aimes pas l'hiver, vis pile sur l'équateur, et bondis du bon côté quand l'automne se termine, man. Si t'aimes pas l'hiver, vis pile sur l'équateur, et bondis du bon côté quand l'automne se termine. Ah, d'accord. Ok, oui, c'est... Oui. Oui. Ça fait réfléchir, pas vrai? Ah, mais... Ah, hashtag, ça fait réfléchir. Hashtag analyse. Allez, continue à nager dans le bonheur, surtout. Merci beaucoup, Pascal. Ah, regarde, il est trop mignon, il part avec sa pute. J'adore. C'est génial, mais il est super, ce... Il est super, ce personnage. Ouais, ouais, il fume pas que de l'algue, on est bien d'accord, mais... Ah oui, donc faut que je garde une pétoncle pour le musée, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est une créature marine en effet. J'avoue que moi je vais lui filer toutes les pétoncles, mais Ok, donc il faut lui filer 50 pétoncles, ça. Hashtag analyse. Ah mais hashtag ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, c'est vrai ça. Ok. J'aimerais bien récupérer une pétoncle. Est-ce que ma petite Chloé, tu peux me donner le code deal de Panda Mignon, s'il te plaît, sur Twitter. Casey! C'est une pétoncle, ça, c'est sûr. Pas du tout. Pas du tout. En vrai, une pétoncle, j'ai galéré pour... C'est un pétoncle ou une pétoncle? J'ai galéré pour l'avoir, hein. J'ai galéré, hein. Ah, ça, c'est une anémone, c'est sûr. Casey! Ok. Oh, un crabe! On l'avait vu, ça? Un crabe gazami. Ce gars-là est ton ami. Aïe, c'est catastrophique quand même. C'est catastrophique. C'est un pétoncle. Ça vaut 10 000 clochettes, les pétoncles. Mais non. Alors du coup, ça sert à quoi de filer les pétoncles à Pascal? Au final. Il te file des plans? Oh, une moule. J'espère qu'elle a la frite. Bah pourquoi Mephisto fallait pas te donner le sub? Ça m'a fait plaisir de te filer le sub. Ouais, y'a des plans. Y'a des plans avec les pétoncles en fait. Parce que j'avoue que j'ai quasi pas lu en fait ce qu'il a dit en fait. J'étais un peu dans ma connerie, j'ai pas lu ce qu'il a dit. Il te donne les crafts sirènes ou des perles pour en fabriquer. D'accord, ok. Donc c'est les crafts sirènes. D'accord, ok. Très bien. Bah écoutez, on va tranquillement retourner vers la berge. Et on va aller visiter du coup la première île d'abonnés. Qui est l'île de Panda Mignon. On va juste quand même récupérer le petit truc sur le chemin. Hein, parce que je suis quand même curieux. J'aimerais bien filer un petit pétoncle à Thibou. Ce serait pas mal. Ouais. Je vais galérer en fait. Hein. Je vais galérer de ouf. Hein. Pourquoi alors que c'est un truc simple à trouver, moi je vais galérer? C'est pas juste au final. C'est pas juste ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Une huître perlière. C'est mieux qu'une huître pas d'hier. Oh putain. Aïe. Merci beaucoup Animal Crossing, merci beaucoup Nintendo pour ces blagues absolument fabuleuses. Je pensais avoir les pires blagues, mais apparemment non. Apparemment non. Allez, une dernière et on s'en va. Ok. Juste pas d'anémone. Pas d'anémone. Putain. C'est une blague. C'est une blague. Ça compte pas. Ça compte pas, c'est éclaté. Franchement, c'est claqué au sol. Merci beaucoup, Link. Link Elias. Pour le Prime. Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Alors je pourrais pas visiter l'île de tout le monde les amis, hein, je vous préviens, je pourrais pas, vous êtes beaucoup beaucoup beaucoup. Je ne pourrais pas visiter l'île de tout le monde. Parce que vous êtes un peu 5000. Déjà merci beaucoup d'être autant, ça fait plaisir. Mais visiter 5000 îles, on en a pour là, c'est plus un live 8h qu'il va nous falloir, c'est un live 32h. Enfin là, sachez-le. Concrètement, calmons-nous quand même. Mais ça c'est encore une anémone. Putain, mais sérieux? Mais mec! Sans déconner quoi. Bon c'est bon, on part, ils m'ont saoulé. Tant pis, pas de pétoncle. Hop. Ah oui, attends, faut que j'aille à la plage, attends. Faut que j'aille à la plage, voilà. Hop. J'aimerais bien trouver aussi Gulliver, mais en rouge. Comment est-ce qu'il s'appelle Gulliver, mais rouge? Vous savez, Gulliver, celui qui est évanoui, là. Il est évanoui sur la plage. Ah putain, j'ai plus de place, sans déconner, vraiment. Je peux pas lâcher ça. Ici pour relâcher ça. Hop là. Il s'appelle vraiment Gulliver. Il s'appelle Gulliver. Sérieux? Piano de rue. Oh, sympa ça. Il s'appelle Gulliver. Ok. C'est pas mal. Table sirène. Ah oui, il m'a filé ça en fait. Oui, d'accord, ok. Oh, à quoi ça ressemble. Gulliver. Eh ben, je l'ai jamais vu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? On a le piano de rue et la table sirène. Oh, la table sirène, elle est mortelle. Hein. J'avoue que une plage un peu resto avec thème sirène, ça doit être monstrueux. Et le piano de rue, c'est un piano avec des graphes. Ok. Très bien. Et bah, c'est pas mal tout ça. Allez, je vais me diriger vers l'aéroport. Hop. Tadam. Hop. Alors, je vais me mettre en facecam. Sinon, ça va être un enfer. Vous le savez très bien. Et vous m'avez appris aussi qu'il fallait que je baisse le son. Parce que sinon, on peut comprendre le code. Et ça, c'est n'importe quoi. Je savais même pas que c'était possible, les gars. Je savais même pas que c'était possible. Ah, mais j'ai trop de trucs. Attendez, je vais vendre des trucs. Déjà. Parce que si je vais là-bas et j'ai R. Merde, attendez. Je reviens. Ouais, je sais qu'il faut enlever le son. Ouais. Attendez, déjà, les amis, je vais aller voir l'île, comme j'ai dit, de Panda Mignon. Et ensuite, je vais voir. Vous inquiétez pas, on fait du Animal Crossing encore pendant une heure. Jusqu'à 14h30. Je crois que c'est ça le planning. Hein. Attendez, je check. Je regarde mon petit planning. Animal Crossing jusqu'à 14h30, c'est ça. Donc on fait Animal Crossing jusqu'à 14h30. Donc on a encore une petite heure, c'est ça? Une petite heure sur Animal Crossing. Vous inquiétez pas, je vais voir plusieurs îles. En tout cas, je vais essayer de faire au mieux. Mais je pourrais pas voir tout le monde. Et après, on ira sur Sea of Thieves. Alors. Tac. Ça j'ai, ça me saoule. Ça, pourquoi j'ai un cèdre? Je sais pas. Ça dégage, ça je garde. Les autres trucs, je les ai. Ok. Ok, déjà on va vendre ça et on va aller voir Thibou. Après Animal Crossing, c'est Sea of Thieves. C'est un jeu de... Vous allez voir, c'est un jeu où on doit récupérer des trésors, on est un pirate. C'est stylé. Vous allez kiffer. Ouais, j'ai des trucs un peu improbables dans mon inventaire, c'est vrai que... c'est vrai, mais bon, écoute, on fait ce qu'on peut. On va voir Thibou. J'aimerais bien faire une fable. Merci beaucoup, Chloé. C'était pas du tout ce que je voulais faire, mais très bien. Je termine, je file juste à Thibou les bails et j'arrive. Pourquoi tu entreposes pas? C'est une très bonne question. Il faudrait que je le fasse. C'est une très bonne question, il faudrait vraiment que je le fasse. C'est vrai, tu as raison. Alors déjà je vais expertiser des fossiles parce que j'en ai un je crois, sur moi. J'en ai deux. Fossiles je les ai quasi tous donnés à Thibou. Il m'en manque quelques-uns mais est-ce que... Ah yes, trop bien, c'est rare parce que je comprends. En ce moment j'ai vraiment du mal à avoir des nouveaux fossiles à lui donner puisque je suis sur les derniers. J'ai vraiment du mal. Ok. Et là du coup je peux lui filer des bails. Alors. Ok, hop. Il y a pas mal de choses que j'avais pas là, nickel, trop bien.
Fantastique. Je me demande combien de fossiles il me manque. C'est dommage qu'ils disent pas ouais, il te manque. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas ouais une jauge ou alors un truc genre il te manque 3 fossiles ou t'as 50 fossiles sur 844. Tu vois un bail comme ça, tu vois. C'est dommage. Et je m'en trop posé les bails aussi parce que j'avoue j'ai trop de trucs. J'avoue j'ai trop de trucs qui servent à rien et c'est vrai que vous avez raison, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est vrai. Je rappelle à hein, tous ceux qui sont sur le live et qui ne sont pas abonnés à la chaîne Twitch de me follow. Maintenant, je vous vois, ceux qui regardaient et qui ne vous followent et qui ne follow pas. C'est pas bien. C'est pas bien, il faut pas le faire. N'hésitez pas, il faut follow, il faut follow. Lâchez votre follow les gars, c'est pas possible. Alors, j'entrepose une limace les gars. Bon, allez, j'entrepose une limace. L'ombrelle en papier, je l'entrepose aussi. Non, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Je veux l'entreposer. Entreposer. Chemise de guide. Non, pas posée au mur, pas posée au mur. C'est l'entreposer que je veux. Tonique de mancienne, j'entrepose. Ça, j'entrepose. Ça, j'entrepose. Entrepose encore. Entrepose toujours. Voilà. Et voilà. Ok, là j'entrepose sale. Là j'ai tout entreposé. Ah, ça fait du bien en vrai. C'est vrai que j'avais que de la merde dans... j'avais que de la merde sur mon... Dans mon inventaire. Voilà. Ah oui, c'est vrai. En plus, ceux qui sont pas follow pouvaient pas envoyer de message. C'est vrai, Cindy. C'est vrai. C'est vrai. Cindy la licorne. J'adore ton pseudo. C'est vrai. Ceux qui follow pas la chaîne ne peuvent pas envoyer de message. Pour ça, il faut follow la chaîne. Et rester 30 minutes sur le live, je crois. Et là, on peut parler. Tu vas pouvoir me rendre un petit service, Sora. Dans un moment d'inattention, j'ai acheté une deuxième costume effet gonflette. Je peux quand même pas le jeter. Aurais-tu envie de m'en débarrasser par hasard? Oh putain. Et tu m'as même pas dit. J'ai même pas le droit de dire oui ou non. Fais-en ce que t'en veux. Bah, j'en veux pas. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je suis sûr que c'est moche en plus. Attends. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et bah c'est parce que c'est scandaleux qu'on va le mettre. On va aller voir la première abonnée. Comme ça. Bim. Alors. Eh. Si je suis pas un youtubeur qui va avoir ses abonnés de la meilleure des façons moi. Franchement. Regardez comment je suis musclé. Bam. 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 Allez, on y va. Elle est dégueulasse la tenue, elle est dégueulasse. Elle est horrible. Ok, hop, je me mets en facecam. Je baisse le son. Et je place le petit code, je veux voyager. Alors Chloé, tu m'as donné ça sur Twitter. Sur Twitter. Ok. Ah, ça a changé, d'accord, très bien. Allez voir quelqu'un. Je en ligne. Oki Dodoki. Oki Dodoki. Tu as quels habitants hors Noémie et Cookie? Et bah Léana, j'ai Noémie, Cookie, j'ai Pierrot, j'ai Viviane, j'ai Maggie, j'ai Julie, Choco, Sophia, Miguel. Emilien. Oh putain les gars, j'ai tout sorti j'ai tout sorti de tête. Je suis fier de moi. Merci beaucoup Gaël. Oh, je suis désolé Gaël, tu t'es sub au moment où j'ai retiré le son des subs. Merci beaucoup quand même. Merci beaucoup. Merci pour le prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le code c'est. Et tac tac. Ok. Il semblerait qu'on ait un départ imminent pour Sora Family. Bah c'est incroyable ça. Let's go. On y va. Merci beaucoup Tenchi Jaeger pour le Prime. Merci beaucoup, bienvenue, ça fait plaisir. Et Wattel, hello, comment ça va? J'ai envie de poster bon courage au Modo. Merci pour eux, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. T'y arrives au Kidodoki ou comment ça se passe?
C'est long, frérot, là, non? Quoi? Non! Pourquoi ça marche pas? Eh, c'est relou quand ça fait ça. Je pense, Panda Mignonne, qu'il faut que... Alors, soit c'est moi qui dois redémarrer la console, soit c'est toi. Mais ça me fait ça souvent. C'est relou de ouf. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et ça rend dingue, hein. Mais je sais pas, c'est quoi les bails, hein. Du coup, je sais pas si c'est moi qui redémarre la console ou c'est toi qui la redémarre. On le fait tous les deux. Bah, on le fait tous les deux en vrai, comme ça c'est mieux. Aizawa, merci beaucoup pour ton Prime. Merci beaucoup. Bienvenue, ça fait plaisir. On va le faire tous les deux, Panda Mignonne, ok? C'est relou, hein? C'est super chiant, hein? Est-ce que ça vous le fait vous aussi ou pas quand vous jouez à CNH? Parce que ça me le fait super souvent. Mais vraiment super souvent. Attendez, je vais redémarrer la console. J'arrive. Je la redémarre. Merde! Non! Oui, ça me le fait, oui, ça me le fait. Ouais, c'est ouf, hein! Bah, je suis pas le seul alors, et ça rend dingue! Et je sais pas pourquoi, ça rend dingue! Putain, c'est pas possible! Attendez, j'arrive! Putain! Ok, son alimentation, redémarrer. Ouais, je sais pas pourquoi ça me le fait archi souvent. Hein. C'est super relou. C'est super chiant. J'ai entendu qu'il y avait un sub, non? Yes! Et deux subs! Deux subs. Borx, 1409 qui se sub avec son Prime. Merci beaucoup, Borx. Et également Athéna, trop stylé. Athéna qui a pris un sub également. Merci beaucoup, Athéna. Merci beaucoup à vous deux. Et bienvenue, ça fait plaisir. Non, il n'y a pas de Roblox au programme, les amis. J'avoue que c'est pas trop mon délire. C'est pas trop mon délire. Merci beaucoup, K3K. Alors attends. que 3. Alors je pense que t'as voulu faire un bail. Genre Ken Kaneki était plus disponible et du coup t'as voulu faire avec des chiffres. Merci beaucoup, Ken Kaneki, pour le sub. Il y aura des rediffs, ouais. Vous inquiétez pas, il y aura des rediffs sur la chaîne secondaire. En fait, il y aura chaque segment. Sur la chaîne secondaire, ok, il y aura genre 2 heures de d'Animal Crossing, il y aura genre 2 heures de Sea of Thieves, et en fait je mettrai comme ça par segment. Touk. Là normalement c'est censé marcher, hein. Là ça marche pas, je ne comprends pas. Ouais, les pseudos sont stylés, ouais. Kaneki c'est stylé, en vrai j'aime bien moi. Moi Tokyo Ghoul, à part que l'anime fait de la merde, enfin la première saison est cool, la deuxième est passable, la troisième, en fait je préfère l'oublier. Je préfère l'oublier. Et bah la licence est cool. Moi j'aime bien Tokyo Ghoul. Le manga est mieux. Beaucoup mieux. Ça n'a aucun rapport en fait. C'est incomparable. C'est incomparable. Toc 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 toc. Bah du coup tu me redonnes le code Chloé quand tu peux. Merci beaucoup, Assey Lumbot. Coucou Sora, ça fait depuis un moment que je te suis et je voulais juste te remercier de me redonner le sourire avec tes vidéos et ta bonne humeur que tu partages. Merci beaucoup, Assey, ça fait plaisir. Bah écoute, merci toi d'être là et d'être présente pour ce petit live. Parce que bah, sans vous, moi, je suis tout seul. Donc merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous tous. Tu connais Webtoon? Ouais, 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 mais alors, est-ce que vous avez vu God of High School? Pff, oh là là, quelle dinguerie, quelle grosse dinguerie. Pff. Aïe aïe aïe. Quelle énorme dinguerie ça. Grosse grosse dinguerie. Hein. C'est un animé. C'est une dinguerie. Alors je remets le code les amis. Je remets le code. C'est ouf. C'est vraiment stylé. Tac tac tac, blablabla, bla, bla, je veux voyager. Là ça marche pas, j'ai pas de solution. Ouais, après il est insane, il est insane. Ouais, là en animé j'avoue que je cherche des nouveaux animés à voir.
Des animés que j'ai pas vus. J'aimerais bien potentiellement essayer. Qu'est-ce que j'aimerais essayer en ce moment? J'aimerais bien voir la dernière saison de Food Wars. J'aimerais bien la voir. Je l'ai pas encore vue. Quels animés vous pourriez me proposer? Qu'est-ce que vous regardez vous? Je suis un mec, si jamais. Ah, pas de soucis, Asai. Pas de soucis, bah, que ce soit un mec ou une meuf, le message était le même. Merci beaucoup, Asai, pour ton joli message. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Boku no Hero, bien sûr, mais évidemment. Mais tout ça. Ça, je connais tout ça. Je connais. La nouvelle saison des Sao aussi qui est sortie. Oh, quel délire. Ok. Hop. Et voilà. On y retourne. Fairy Tail, ouais, Noragami, j'ai vu. Hunter x Hunter, évidemment. Évidemment. Jojo, j'ai essayé. Hop. En fait, je suis partagé parce que j'ai envie de tester. J'ai envie de m'accrocher. Mais le premier épisode de la saison 1 est vraiment éclataxe, quoi. Enfin, franchement. Il est vraiment éclaté, quoi. Et ceux qui kiffent Jojo pouvaient pas me dire le contraire. Le premier épisode, il pue la merde, sans déconner, vraiment. Il est nul. Il est nul. Le père, c'est le pire personnage que j'ai vu de ma vie. Putain, sérieux? What the fuck? Eh bah écoute, très bien. Pas d'accord, la console Panda. Mignonne. Je suis désolé, nous ne sommes pas compatibles. ne veux pas. Black Clover. Ouais, qui veut cool Black Clover, je regarde, ouais. J'ai un peu stoppé, mais ouais. Bah là, j'ai pas de solution, hein. À part. J'avoue que je comprends pas trop quel est le bug, en fait. Parce que là, comme ça, je vois pas trop ce que je peux faire de plus, en fait. T'as redémarré la console ou t'as juste redémarré le jeu? Ou est-ce que tu l'as juste mis en veille? Parce qu'il faut vraiment appuyer fort sur le. Faut appuyer longtemps sur le bouton machin et faire redémarrer. Hein. Est-ce que t'as fait redémarrer? Merci beaucoup, Lickle, pour le Prime. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Il faut que tu restes très fort sur le bouton off. Et ensuite, il y a écrit redémarrer. Et là, tu redémarres. C'est pas l'éteindre et la rallumer juste en appuyant vite fait. Parce que ça marche pas, ça. Qui a une bête deal ici? Que je vois un petit peu. Qui a une. Oh non, Demon Slayer, mais oui, mais Kimetsu no Yaiba, mais bien sûr, bien sûr. Grosse dinguerie, ça. Bien sûr. Tu pourrais venir sur mon île hors live, c'est bon, ça marche pas, je la redémarre. Oui, bien sûr, y a pas de site, t'inquiète, y a pas de site, t'inquiète. Ah, tu vois, Chloé, ça c'est une bonne chose. T'as commencé les SAO, et ça c'est une très bonne chose, c'est une très très bonne chose. Il est vraiment cool cet animé, il est pas mal critiqué mais il est vraiment cool, moi je l'aime vraiment beaucoup. Qui a une île 4 étoiles? Qui a une île 4 étoiles? Ou alors pas du tout, je suis inconnu au bataillon, ça m'intéresse de savoir. Woody le panda. Twitter. Et j'ai mon tatouage comme le tien et je le trouve parfait. Mon tatouage comme le tien, comment ça? Comment ça, Woody? Tu t'es fait quoi comme tatouage? Ouais, qui a une île 4 étoiles du coup? 5 étoiles pour moi, Fireheart. Bah écoute, tu veux me montrer? Écoute, Fireheart, envoie. Comme ça, je récupère des îles en même temps que Panda Mignonne, elle est en train de faire ses bails. N'hésite pas à me... Attends.
Non, c'est pas ça que je veux faire, pas du tout. Hésite pas à envoyer à Chloé ton île. Hésite pas. La musique derrière depuis 20 minutes. Je sais pas si j'ai raté ton message, Woody le panda, mais tu fais comment? Tu ou alors Chloé, DM-le. Je t'en avais déjà parlé sur Twitter. En plus, la couronne sur ton poignet, tu te souviens pas? Non, bah si, si, je me souviens. J'ai quand même, je l'ai quand même là. Donc. Woody, t'as fait la couronne sur ton poignet? Ah, c'est toi qui m'as demandé si tu voulais faire, si ça dérangeait pas de faire le même tatouage que moi? C'est ça ou pas? Ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est toi qui m'as dit ça? Je crois que c'est toi, hein, qui m'a dit ouais, est-ce que ça te dérange? Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, tu l'as fait? T'as fait le même tatouage que moi? T'as fait la couronne? C'est Fire Earth qui doit DM Chloé. Ou alors DM Fire Earth. Fire Earth. Dis coucou Chloé! Dis Chloé, viens! Ou Chloé, au secours! Un bail comme ça. Elle te trouvera. Elle te trouvera. Peu importe où tu es, elle te trouvera. Faut que tu m'envoies une photo sur Twitter alors, Woody, si t'as fait une photo, si t'as fait le même tatouage. Carrément! Je suis curieux. Ah ouais, j'ai dû le rater du coup. J'ai dû rater le tweet. Bah, n'hésite pas à me renvoyer le tweet sur Twitter, hein, tout simplement. Merci beaucoup, Keep Cool. J'aime pas Demon Slayer, c'est comme DBZ. J'aime pas, je trouve ça surcoté de ouf. Ah ouais? Putain, pourtant, Demon Slayer, je le trouve mortel, hein. Vraiment. Ok, tout le monde en parle, forcément. Alors, du coup, ça saoule un petit peu parce que tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais putain, je trouve ça dingue, moi. Panda Mignonne, t'en es où toi? Est-ce que tu t'es perdu entre temps ou... Je vais réessayer avec Panda Mignonne une dernière fois pour voir si ça fonctionne. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire. Et ensuite, essaye de checker avec Fire Earth du coup les bails. Ok. Donc, on va retester une dernière fois. Jeu en ligne. En vrai, je trouve que je trouve que Demon Slayer, moi je trouve ça vraiment ouf. Hein. Je veux dire, comment dire, merci beaucoup Yayabata pour le Prime. Merci beaucoup, bienvenue dans la famille, ça fait plaisir. Merci beaucoup Yaya, merci. Je trouve que justement, Demon Slayer, l'histoire est ouf. Et la mangaka, elle s'est arrêtée. Au moment où il fallait s'arrêter, tu vois, elle aurait pu faire 20 saisons, 34 films, 18 milliards de tomes et étirer le concept 1 milliard de fois. Mais au final, elle s'est dit, écoute, je suis à mon âge d'or, je termine le manga, basta, terminé, tu vois, je peux passer à autre chose. Complètement raison, elle a complètement raison. Puis l'animé, il est ouf. Osez me dire que l'animé, il est pas beau, quoi. L'anime est magnifique quand même, non? Hop, on y retourne. Ok, alors, attention, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Attention! Sur vos écrans, tout de suite! Suspense! Insoutenable! La troisième tentative! Ça commence mal! Ça commence très mal! Aïe aïe aïe! Ouïouïouï! À mon avis, vu le temps que ça prend. Et voilà, forcément! Putain, ça rend ouf! Écoutez, je vais essayer avec Fire Earth et si ça fonctionne pas, c'est que c'est moi le problème. C'est que c'est moi le problème. On va tester avec Fire Earth. On va voir. Pas de soucis, Woody, pas de soucis.
Vas-y, on teste avec, avec Fire Earth. Ok, alors. Je teste, on va voir. Et là, si ça marche pas, c'est que c'est ma connexion le problème. Ok, mais on teste. Enlève et remets ta connexion. Alors, je suis pas sûr que pendant live, ce soit vraiment une très bonne idée. Je dirais même que c'est une très mauvaise idée. Donc, on va éviter de faire ça. Je vais en ligne. Non, j'ai pas Snapchat, j'ai que Twitter et Instagram et TikTok. TikTok, ça fait un moment que j'ai pas posté dessus, mais régulièrement, de temps en temps, je poste. De temps en temps, quand je suis inspiré. Comment veux-tu choisir ta destination? Par un dodo code? Oui, j'ai un dodo code pour toi. Je me remets en facecam. Je teste. Est-ce que ça va fonctionner? Attention. Mélodile. Ah, c'est mignon. Oui. Alors, est-ce que ça va marcher? Si ça marche pas là, c'est que vraiment c'est moi le problème. Sinon, c'est qu'il y a un truc, il y a un faux raccord entre moi et Panda. Mais là... Là, bizarrement, j'y crois un peu moyen quand même. Je pense que ça vient de... Bah, ce serait limite plus rassurant que ça vienne de moi. Hein. Bon, très bien. Ok, ça vient de... clairement, ça vient de moi. Ok, et bah très bien. Bah c'est super, ça. Bah, ça fait plaisir. Magnifique. Moi qui voulais visiter vos îles. Et bah, super. Nickel. En fait, je pense que j'ai... Je pense que je sais pourquoi. En fait, moi je suis chez Bouygues. N'allez pas chez Bouygues, c'est éclaté. Moi je suis chez Bouygues. Et en fait, Bouygues, ils m'ont fait une modification de connexion, un bail bizarre. Je sais pas trop ce que c'est. Merci beaucoup Chris pour le Prime. Merci beaucoup, bienvenue. Mon pète, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et ils m'ont fait une modification de truc, de connexion. Et depuis cette modification, et bah, j'ai plein de bugs. Ce qui est chiant du coup, c'est relou, on va pas se mytho, c'est un peu chiant. Du coup, il faudrait en fait... Comment ça s'appelle? Que je... attendez, juste je modifie un truc parce que je vois qu'il y avait un petit truc qui buguait. C'est mieux là? Non. Hop, attendez deux petites secondes, je modifie un bail. C'est normal que vous ayez un écran noir, c'est moi qui modifie un truc. Voilà. Ouais, du coup, je disais, depuis qu'ils m'ont fait ce modif-là, en fait, c'est un cauchemar. Du coup, il faut que je les rappelle pour leur dire, écoutez, les gars, vous êtes mignons, mais enlevez-moi la modification, ça pue la merde. Voilà. c'est très chiant, mais écoutez, j'ai pas le choix. Donc, écoutez, on va faire un petit tour de l'île. Et, enfin, de l'île. De ma maison, comme ça je montre un petit peu vite fait aux gens qui n'ont pas vu ma maison, là c'était la salle de bain, la maison, et ensuite on partira sur, soit je vais voir pour directement partir sur Sea of Thieves, pourquoi pas, soit je vais checker un petit peu, encore un peu la boutique d'autres fait, etc. De toute façon ça va pas tarder, hein, dans 30 minutes on fait le... C'est la cuisine ça, elle est jolie ma cuisine, je suis trop fier de ma cuisine, et ensuite ouais on ira sur Sea of Thieves, dans tous les cas. Vous inquiétez pas, j'ai plus ou moins le planning en tête. Donc voilà, ça c'était la cuisine, là c'est le salon, la salle de bain est très sympa aussi. Elle est sympathique. Voilà, elle est plutôt belle avec mes toilettes japonaises qui s'ouvrent toutes seules. J'aime ma clim en haut, j'aime bien, voilà. Pour les jeux les amis, si jamais vous demandez quel jeu je fais, vous mettez point d'exclamation de planning. Enfin, pas tous, mais s'il y en a un qui le fait, ça suffit. Et du coup vous pouvez trouver les jeux qu'on va faire. Ça, c'est ma salle de jeu. Putain, je suis vraiment dégueulasse avec mon... avec mon petit truc, là. Combinaison de sport. J'ai soif de ouf. J'ai envie de m'acheter un bubble tea. Est-ce que je me commanderais pas un bubble tea? Putain, mais ça coûte cher, en plus. Juste acheter un bubble tea, ça coûte cher de ouf. Attendez, est-ce que je peux me commander un bubble tea? J'ai envie d'un bubble tea. Tout le monde qui dit oui, commande-toi un bubble tea! Bah oui! Oh putain, j'ai envie d'un bubble tea. Attendez, j'ai envie d'un bubble tea. Oh là là, c'est beau.
Regardez-moi ça. Bubble V. Je sais pas si vous allez voir. Ça donne pas trop envie, sérieux? Moi, ça me donne envie. Moi, ça me donne très envie. Je vous montre ma chambre. Ah, elle est trop stylée, ma chambre aussi, j'aime bien. Froid, thé vert au jasmin, lait de coco, coco et gelée de coco. Coco, coco et coco. Enfin, je veux dire, à un moment, les gars, on est sur de la coco, là. Bah, ça a l'air bon. Hein. Ça a l'air pas mal, hein. J'adore notre coco. Ah, putain, y a un bubble tea au Nutella, les gars. Merci beaucoup, Makiko, pour le Prime. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup, Makiko. Merci beaucoup. Tu voles les objets trouvés? Oui. Je trouvais que ça faisait un petit peu cahier qui tombe de mon, de mon meuble. Je trouvais jamais bien. Du coup, j'ai jamais rendu le cadeau à son propriétaire. Et là, j'ai un hamster. Quoi, un bubble tea Nutella, par contre, ça doit être chelou un peu. Hein. Ça doit être un peu bizarre. Hein. C'est stylé! Ah, mais non, mais je peux créer mon truc! Ah putain, j'ai banane verte. Banane verte. Poire! Un poire. Ah. Oh là là. Coco. Oh les gars, c'est le feu. Oh là là, il y a plein de trucs! Je sais pas quoi choisir! Et je vous montre ma salle secrète aussi. Attendez, attendez, parce que je. Je suis en train de commander mon truc et je sais pas quoi choisir, y a plein de trucs, trop de trucs. Wow, y a trop de trucs, je sais pas quoi prendre. Poire coco, c'est trop chelou, on est d'accord. Kiwi fraise, ça c'est un truc de ouf, non? Kiwi avec des perles tapioca fraise. Ah, kiwi fraise, c'est le feu, ça. Ça, à mon avis. Ça, à mon avis. Kiwi fraise, le feu, non? Un truc, c'est un truc de ouf, non? Merci beaucoup Gaël. Connecte-toi avec la clé de ton téléphone sur ta Switch. Ça fonctionne très bien pour moi et ça n'a jamais bugué. Plus Animal Crossing prend pas beaucoup de coups. Bref, j'adore ce que tu fais. Continue comme ça. Tu es une personne adorable pour t'avoir vu en convention deux fois à Fréjus. Ah, merci beaucoup Gaël. Ça me fait plaisir de savoir que t'es venu me voir en convention. Bah, c'est une très bonne idée. Mais en fait, je suis chez Orange avec mon téléphone et je me capte très mal dans mon studio. Du coup, ça ne marcherait pas. Mais c'était une très très bonne idée. Mais malheureusement, avec moi, ça marchera pas. Parce que ma truc est. Ma connexion avec mon téléphone est éclataxe. Voilà. Ok, je me commande mon petit bubble tea, il arrive dans 10 minutes. 10, 20, 10, 20 minutes. Allez frère. Non, il veut pas. Laisse-moi payer, non? Mais c'était une très bonne idée, Gaël. C'était une très bonne idée. Et ça me fait plaisir aussi de savoir que t'es venu me voir en convention, c'est trop bien. À Fréjus. Très belle ville, Fréjus. Très belle ville. Alors, finaliser la commande. Putain, ça me gratte l'oreille, là. Ok. Donc, elle est trop bien ma salle, non? Elle est trop belle, hein? Je kiffe, hein? On va aller voir la boutique des autres fées. Et on va pas tarder à partir sur notre petit Sea of Thieves. Ou alors on discutera un petit peu, on verra, on verra, on verra. Parce que j'aurais voulu inviter quelqu'un avec moi pour Sea of Thieves. J'aurais voulu. Mais on verra après du coup. On verra après. Si mademoiselle est disponible. Soran, t'as perdu. Non, non, c'est bon, je suis là, je suis là. C'est juste que je suis en train d'organiser mon truc. J'essaie de voir un petit peu comment faire. Parce que du coup, bah, je voulais visiter vos îles. Mais je peux pas. Donc c'est chiant. C'est relou. C'est relou. Mais je vais peut-être essayer quand même la technique de Gaël de connecter sur mon téléphone. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais je peux essayer. On essaye ou pas? C'est Riri qui va nous accompagner sur Sea of Thieves. C'est Riri. On va faire une petite fable avec elle. Coucou. Ok. Oh, elle est incroyable cette tenue. Mais tellement je veux tout. Je veux tout.
Je veux le t-shirt, enfin le tout, le t-shirt sobre et chaussures. Oui, c'est vrai, tout à l'heure, ouais. Tout à l'heure, vers 14h30, 45, elle sera là. Mais du coup, c'est vrai que, ouais, un peu plus tard. T-shirt botanique, short sobre. Short sobre, on prend. Ça fait une petite tenue d'été, c'est pas mal. Paire de chaussures bateau. Et on va prendre aussi... Bah c'est tout en fait. La barbiche... Non. Pas trop. Fan. Monture solaire ronde, on peut prendre. Je sais pas ce que ça va donner sur notre tête, mais on peut prendre. Mais je sais pas trop ce que ça va donner sur notre tête. J'hésite, je doute un peu. Je doute un petit peu. Hop. Ok. Alors déjà, on va mettre notre tenue. Hop. On va enlever cet horrible costume. Le short. Et ceci. Eh, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. Je me demande juste comment est-ce que les lunettes tiennent. Mais putain, j'avoue, comment est-ce que les lunettes tiennent? M'explique, s'il te plaît. Ouais, je me posais juste la question de comment est-ce que les lunettes tiennent. Mais à part ça, c'est pas mal. Mais il manque clairement des branches à ses lunettes. Mais le flow est là. Le flow est là, non? Il y a un certain flow quand même, non? Moi, je trouve ça stylé. Moi, j'aime bien. Écoutez, je vais essayer de connecter la console sur le téléphone, ok? Je promets rien. Je promets rien. Mais je vais essayer. Bon, en fait, je suis con. Je reste là, en fait. Je bouge pas. Hop. Tac, tac, tac. Comment je fais ça? Paramètres de la console. Réseau. Internet, ouais. Paramètres internet. Je teste, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je teste. Hein. iPhone de Maxime. Très bien. Pff, alors là, comme, pour l'instant, c'est pas très très concluant. Ah mais oui, forcément, j'ai mis partage de connexion, j'ai mis non aussi, donc forcément. Attendez, j'essaye. Hein. Là, c'est ma dernière solution pour Animal Crossing pour la visite d'île. C'est la dernière. Après, je n'ai plus de solution. Mon mot de passe, c'est tomate cerise. C'est vraiment tomate cerise en plus. Putain, c'est pas tomate cerise. Ça m'a fait trop peur. Merci beaucoup Amy pour le Prime. Merci beaucoup Amy. Merci. Hop, hop, hop. C'est bien ça, hein. Ouais. Aha ! Ça a l'air de plus ou moins fonctionner. Attendez. Attendez. Ok, donc déjà je suis connecté à internet avec le téléphone, ok. Donc maintenant, on retourne sur le jeu et on va retenter l'expérience. Panda Mignonne, c'est maintenant, c'est ton moment. C'est ton moment. On va réessayer, ok. Et là, il n'y a plus d'autre solution, il n'y en a pas d'autre. C'est le moment. It's the moment. Il faut spammer l'emote cœur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ah mais j'ai mis la console à jour, Sony. Je l'ai mise à jour. Merci pour les cas.
Tu me dis Chloé, quand tu as le petit code. Oh, tous ces cœurs, c'est pas beau ça. Waouh. Attendez, je check déjà, je check également où est mon bubble tea, parce que ça c'est intéressant, ça c'est très important. Mon bubble tea, et putain, s'il y a un mec, c'est-à-dire qu'il y a un gars, vraiment, il va venir m'apporter juste un bubble tea, il va partir. Ouais, il arrive dans 10 minutes, très bien, et bah très bien. Les modos en PLS, un petit peu là. Un petit peu. Un petit peu. C'est pas grave, c'est des petits cœurs, ça va, ça va. Panda mignonne. Ou alors Fire Earth, hein, un des deux. Fire Earth, pareil. N'hésite pas à renvoyer ton code sur à Chloé. Fallait bien qu'on ait un souci. En 8 heures, il fallait bien qu'on en ait au moins un. Fallait bien. Il fallait bien. Merci beaucoup, Wilfried. 77, très bon département. Merci beaucoup, Wilfried, pour ton sub. Ça fait plaisir. Bienvenue. Ouais, Fried, ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors, on s'est baladé un petit peu. On a fait mal d'Animal Crossing pour l'instant. Juste, je voulais aller visiter des îles. Et en fait, je pense que Bouygues, avec la dernière modification qu'ils m'ont fait sur la connexion, m'empêche d'aller sur les îles des abonnés. Je sais pas pourquoi. C'est chiant de ouf. Mais je peux pas aller visiter des îles, gros. Je peux pas. Du coup, là, j'ai Gaël, une abonnée, qui m'a proposé une solution qui est de me connecter. Mon Animal Crossing sur mon téléphone. Sur la queue de mon téléphone. Et du coup, on essaye. On est en test. On est en train de. On va tester. On va tester, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ouais, c'est relou, gros, c'est relou. Mais en vrai, ça va, ça va, ça va. En vrai, ça va. Donc là, j'attends le premier code de soit Fire Earth, soit de Panda Mignonne. Et après, on va visiter leurs îles. J'attends le premier code. Bah d'ailleurs on va commencer directement. Je sais pas si ça a fonctionné, mais dans le doute, testons. Testons. On va voir. Ok, on va commencer par Fire Earth qui a le code. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? La solution sur vos écrans, actuellement, la réponse, on voulait le savoir. Comment veux-tu jouer ta destination des canaux de code? On passe en facecam, on baisse le son, on recommence pour la troisième fois, un putain de code. Ok. Ensuite, on revient sur le jeu, on remonte le son. Attention, mesdames et messieurs, on y croit. Mais le deal, oui. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce que Gaël aura sauvé la fin de ce live Animal Crossing? En tout cas de cette première partie de live 8h. Et c'est un oui, mesdames et messieurs! C'est un oui! Je veux un maximum de clap clap Gaël dans le chat! Parce que c'est grâce à elle! Elle nous a trouvé une solution! Gaël, t'es au-dessus du game! S'il y a un moment où il faut offrir un sub à quelqu'un, c'est à Gaël 006. Elle mérite un gift de sub. Elle mérite. Elle, franchement, elle mérite. Bref. Merci beaucoup Gaël 006. Tu fais très plaisir. Merci beaucoup Gaël. Tu régales. Voilà, tu régales. Et du coup, on va commencer avec Fire Earth. Wouah, des petites cascades et tout, ouais, c'est un autre game encore. Hein. C'est un autre game encore. Hein. Elle est déjà sub, Gaël. T'es déjà sub, Gaël. Qu'on lui offre un jet privé. Oui, je suis... Ah bah oui, t'es déjà sub, Gaël. Ah bah oui. Mais c'était déjà sub aussi. Merci beaucoup Gaël, merci beaucoup TK. Coucou. Oh waouh. Ah ouais, d'accord, très bien, yes. Ok, alors, on va voir ta petite île. Et bon, on visite. On te suit. Waouh, c'est trop stylé, l'entrée est trop cool. Hein. Comment est-ce qu'on fait des emotes déjà? Elle est partie.
Ok, c'est bon, je suis là. Allez. Très bien. Je te suis. Waouh. T'aimes bien les cascades, hein. Le remodel, tu t'es dosé dessus, hein. Oh, trop bien. T'as des ballons et tout. Ok, donc là, c'est ta petite plage. Oh, ah oui, t'as pas... Ah oui, d'accord, ok. Donc moi, j'ai... Donc moi j'ai vraiment eu la planche de surf la plus éclatée au sol quoi. J'ai vraiment eu la planche de surf la plus claquée quoi. Pendant que toi t'as une planche hawaïenne, des planches stylées, moi j'ai une planche dégueulasse. Très bien, bah ça fait plaisir. Ok, et bon on te suit. Fais-nous la visite hein, on te suit. Je peux te les passer? Non, t'inquiète pas, garde tes petites planches, t'inquiète pas. C'est très gentil, c'est trop gentil, mais t'inquiète. Je suis peut-être jaloux pour la planche de surf hawaïenne. J'aurais voulu la planche de surf avec les fleurs, mais j'ai eu une planche marron dégueulasse. Écoute, c'est la rue, mais ça fait mal. Une petite place avec une fontaine. Ouah, trop stylé. Ah, t'as un terrain de foot ? Énorme. Avec les pneus de toutes les couleurs et tout. Ok. Là t'as mis le petit phare, ouais. Toi ton phare il est bleu. Ah mon phare il est moche, il est jaune. il est jaune, il est dégueulasse. J'avoue c'est vrai. Vous avez raison, j'avais pas vu. Vous avez raison, mais on respecte les règles d'hygiène et de distanciation sociale. Nous aussi on met notre masque. Vous avez raison. Son île elle est pas grave chill. Je trouve archi zen. Je vais mettre mes petites lunettes là. Mes petites lunettes d'analyse. Alors. Parce qu'on donne une note à la fin. Ah oh, waouh, le manoir. Oh, oh, oh là là. T'as une famille de pandas et de nounours, trop bien. Génial. Trop cool. Oh, t'as un marché, ah ouais. T'as un petit Matsuri avec un onsen et tout, trop bien. Là, t'as le magasin. T'as des gens, ils ont grave de l'imagination. Ouah, t'as une salle de... T'as un truc de concert de plage. Trop bien. C'est pas Bubblegum de Keke ça? Ouais c'est Bubblegum. Il est trop bien, c'est tellement la meilleure chanson de Keke, Bubblegum. Elle est trop bien. Elle est géniale, j'adore. Trop bien. Ok. Oh, il est trop bien ton villageois. Mathilda. Alors, comme ça, tu t'appelles Sora. J'adore ce nom. Merci beaucoup, Mathilda. Très gentil, ça. Perso je l'aime pas. Ah très bien. Moi je la trouve rigolote. J'avoue j'ai pas regardé sur la carte. Qu'est-ce que t'as comme personnage? T'as Mathilda, t'as Nadine, t'as Georgina. Ah c'est un autre personnage ça, c'est un autre conte. Wow il est dégueulasse Joachim. Il est horrible. T'as Myrti. Ah Myrti on l'avait vu. Je sais plus, c'était un... Myrti elle a le jour d'anniversaire d'un de mes potes youtubeurs. Soit Riri, soit Doom, soit Frit. Je sais plus qui a Myrti. Je sais plus. Oh, t'as Neferti! Wouah, trop bien! Jennifer, Miglou, Pauline et Chef. Wouah, et t'as des bêtes de villageois. Hein. Twitch qui respecte pas Frit. Quoi? T'as dit quoi, Frit? Frit, c'est resub, il n'y a pas eu d'alerte. Ah bon? Sérieux, gros? Vraiment? Mec, il y a eu une alerte nulle part.
suis mort. Gros, il y a une alerte nulle part pour toi, frère. Genre, ça n'existe pas. Y'a Nekos qui vient de se sub. Merci beaucoup, Nekos, pour le prime. Mon ressort est passé à la trappe, j'ai le sub. Ah, désolé, Frites. Merci beaucoup pour ton resub, gros. Je suis désolé, mec. Il a disparu, gros. Je suis désolé. Il s'affiche même pas, mec, dans l'historique. Je suis désolé, mec. Je suis désolé. Ok, et bah écoute. Trop bien. Après, on ira faire un tour sur les villageois. J'ai trop envie de voir Neferti. Il y a des discriminations sur ce live. Attendez, je veux dire. Ok. Vas-y, je continue là-dessus. On a une petite forêt. Waouh. Waouh, son île est quand même super cool. Hein. Son île est quand même super, super cool. Hein. Oh, 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 waouh. Mais quoi? Mais pardon. Mais excusez-moi, madame. Excusez-moi. Oh, t'as même la bague. Mais où? Mais what? Elle s'ouvre. Ah ouais. Oh merde, c'est le livreur, putain. Le livreur, merde. J'ai raté. Allô? Allô? Attendez, j'arrive, c'est le livreur. Je l'avais complètement oublié. Putain, je lui ai raccroché au nez. Attendez, j'arrive. Merde, en fait, genre, j'ai reçu un appel et je comprenais pas qui c'était. Du coup, j'ai raccroché, tu vois. Et en fait, je vois, le mec me rappelle. Et genre, ça fait trois fois qu'il appelait. Je dis, putain, il est relou, arrête de m'appeler. Et en fait, c'était le livreur qui était là depuis 5 minutes devant la porte à m'entendre dire mes conneries sur Animal Crossing. Merde. Bah, désolé, frérot. Désolé. Une grosse pensée pour le livreur hein, qui était présent et qui a suivi une partie du live lui aussi. Putain. Je l'avais complètement oublié. Oh là là, ça a l'air. Oh là là, ça a l'air fou. Oh regardez. Attendez, j'arrive. Il mérite un sub le livreur. Tellement. Oh là là. Oh là 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 là, grosse dinguerie. Alors, tu disais donc oui, pardon Fire Earth. Je suis là, de nouveau. Je termine ton île et après je dégusterai mon bubble tea. Avec plaisir. Alors, du coup, je disais que c'était archi stylé, putain. Il est ouf. Ton... Je sais pas comment on appelle ça, ton... Je sais pas... Oh, t'as même un orgue. C'est incroyable. Bref. C'est une surprise pour ton copain. Parce que tu veux lui demander en mariage dans Animal Crossing. C'est une très bonne idée, félicitations à vous deux. Qui a beaucoup réagi. Je me doute, c'est trop bien. Wouah. Tu lui as fait une cérémonie et tout. Trop bien. Trop bien. Bah franchement, grave beau. Grave beau. Merci Gaël. Oh, énorme! Je savais pas que ça pouvait... What the fuck? Je savais pas que ça pouvait faire ça. Il y a plein de trucs que je connais pas dans Animal Crossing que j'ai jamais vu, hein. What the fuck? Je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'était l'event mariage. Ah ouais, bah le feu. Je l'ai pas eu l'event. Putain, j'ai le seum un petit peu. J'ai un peu le seum.
Ok, et du coup tes villageois ils sont où? Ils sont vers le bas. Ah, oh, t'as un camping. Oh, le panneau camping est génial. Oh, t'as Gulliver aussi. Le panneau camping, il est trop bien. Hop. Putain, t'as même un petit resto improvisé et tout pour la plage. Ah ouais. Putain, franchement, mais les gars, vous avez trop de... C'est trop d'inspiration, sérieux. Moi, j'ai pas autant d'inspiration. C'est dingue. Oh, énorme. Pauline. Oh, elle est trop cool, Pauline. Elle est géniale. Ah ouais, de ouf, Milia. De ouf, Miliana, si jamais tu peux me filer les items que t'as en double au mariage, carrément, avec plaisir. Elle est trop belle, Pauline. D'accord. Ah, Pocket Camp. Ok, d'accord. J'ai pas joué à Pocket Camp. J'avoue que SNH, c'est mon premier Animal Crossing. Du coup, bah, j'avoue, je ne connais pas. Moi, je veux trop aller voir Neferti. Oh, ils sont... oh, il est génial, lui aussi, Miglou. Il est trop mignon. Neferti, elle habite où? Elle habite là. Ah oui. Est-ce qu'elle est chez elle? Ouais, elle est chez elle. Putain, elle doit être incroyable. Elle doit être incroyable. Wouah, mais mec. Wouah, mais c'est trop stylé. Elle est incroyable, elle doit être trop rare, elle. Neferti, putain, une princesse égyptienne, quoi. Wouah, le feu. Trop... Elle est toi d'être... Oh là là, trop stylé, putain. Elle est très recherchée, bah ouais, tu m'étonnes. Putain, elle a une pyramide. Elle a une pyramide au milieu. C'est une galère à la voir. Ouais, toi tu l'as chassée, Fire Earth, ou tu l'as eu vraiment par hasard? J'ai eu un amour qui me l'a offert. Ah, c'est ton copain qui te l'a offert? Comment il peut te l'offrir? Comment il te l'offre? Comment on peut t'offrir un villageois? Hein? On pose la question? Comment est-ce qu'on peut t'offrir un villageois? Merci Chloé. Ah, une amie! Ah, c'est une amie qui te l'a offert! Trop bien! Avec le déménagement. Ah, en gros, elle l'avait chez elle. Et quand elle a déménagé, elle t'a dit ouais, viens la récupérer, c'est ça? D'accord, ok. Putain, trop bien! C'est génial. Bah trop bien. Avec une carte... Ah oui, c'est vrai qu'on peut avoir une carte amiibo. Oh putain, mais je vais... la vie de ma mère que je vais acheter des masses cartes. Je vais acheter masses cartes, je vais me taper les meilleurs bails. Merci beaucoup en tout cas Fire Earth. On peut féliciter Fire Earth et on peut lui dire bravo pour son île qui est incroyable. Bravo. Bravo, bravo. Non, je vais y aller. Je vais t'appeler Blue parce que ton personnage s'appelle Blue. Je vais y aller, Blue. Je vais aller voir l'île de Point Dominion avant de partir sur Sea of Thieves. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton île. Elle est trop, trop bien. C'est clairement un 10 sur 10. Elle est géniale. J'ai adoré. J'ai passé un trop bon moment. Merci beaucoup à elle. Merci beaucoup, Blue. Merci beaucoup. Et tu as une ovation dans le chat en plus. Merci infiniment pour tout. Bah, merci infiniment à toi surtout. C'est toi qui as été adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, pour ta chaîne Twitch et YouTube. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Blue. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie, vraiment. Préparatif. Et on va pouvoir, du coup, aller enchaîner sur l'île de Panda Mignon en goûtant ce petit bubble tea. On va goûter ce petit bubble tea. Et regardez, oh, il est magnifique, hein. Freskiwi, la vie de ma mère, que ça va être incroyable, c'est sûr. Ah! 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 C'est... Je suis dans une position pas très agréable. Il est incroyable ce jus! Ah, oh, c'est tellement bon!
Ah ouais, là c'est un délire. Hein. On a perdu Sora. C'est très bon. C'est très très bon. Si je pouvais vous partager, je partagerais. Hein. Mais là, c'est compliqué. Il est énorme en plus, je fais la taille de ma tête. Et j'ai une grosse tête. Hein. Ah, depuis que j'ai 1 million d'abonnés, j'ai pris la grosse tête. Donc ça, c'est connu. Hein. On sait. Hein. Tous les youtubeurs qui tapent 1 million d'abonnés, ils ont la grosse tête après. Hein. Dooms a la grosse tête aussi. Mais le cerveau est pas là. C'est pas très gentil ça. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un bubble tea, en fait c'est un jus où à l'intérieur il y a des petites billes. Et en fait les petites billes, et bah quand tu les croques, elles éclatent et elles te donnent elles aussi un goût. Donc en fait le jus est au kiwi. Et les petites billes, en fait, c'est... comment ça s'appelle? C'est une... bah c'est de la fraise en fait. C'est des petits jus de fraise quand tu éclaques. Quand tu éclaques. Maxime ne sait plus parler. C'est malheureux quand même. Quand tu éclates. C'est très très bon. Vous n'avez jamais goûté. Vous trouvez ça souvent en convention. Et c'était pas vraiment très bon. Est-ce que Chloé, tu as le code de Panda Mignonne? Est-ce que c'est toujours le même? Est-ce qu'il n'a pas changé? Est-ce que c'est toujours le même? Ou pas? Mais non, bah tu l'as pas en fait. Tu l'as pas? Elle est en train de le générer, d'accord. Je ne savais même pas qu'on pouvait se faire livrer des bubble tea. Mais gros, à Paris, Fritz, on peut tout se faire livrer, mec. À Paris, tu peux tout te faire livrer, gros. C'est ça, les bails. À Paris, c'est... Paris, il y a tout, frère. Paris, il y a tout. Paris, tu peux te faire livrer du bubble tea. Tu peux te faire livrer des glaces cookie doug. Tu peux te faire livrer tout n'importe quoi, mec, ici. Bon, il m'a coûté une blinde, il m'a coûté 11 balles, mais... Pff, mais écoute, j'avais soif. Ouais, bah, pareil, c'est l'avantage, hein. C'est que du coup, bah, il y a tout, quoi. Ouais, 11 balles, ouais. Attends, il m'a coûté 11 balles, je crois. Attends. Non, je dis de la merde, je crois. Attends, je vais te dire... Bah attends, un bubble tea, ça coûte cher déjà. Attendez, je vais vous dire combien ça m'a coûté déjà exactement. Ça m'a coûté... Peut-être que j'abuse un peu. J'espère que j'abuse un petit peu. Mais je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête... c'était 11 balles, attends. C'est combien ça m'a coûté? Mes commandes... Ouais, ça m'a coûté 11 euros. Frais de livraison 3 euros. Frais à design. En fait, il m'a coûté 6,90 et j'ai eu 6 euros de livraison. Écoutez, les gars, c'est pour le live 8h. Ça coûte cher. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de subs à la chaîne. Donc, j'ai pu me permettre de payer le. On s'est payé le bubble tea, d'accord? Merci beaucoup, DF Kenny, pour le sub. Merci beaucoup. Ouais, Deliveroo, par contre, ils abusent avec la livraison. Mais en même temps, faut bien que les gars soient payés aussi. Je veux dire, t'imagines, le resto, il m'envoie, j'achète un bubble tea à 6,90 et la livraison est gratuite. Au final, bah les gars, ils sont perdants de ouf en fait. Limite, c'est, enfin, si ça va leur coûter autant d'essence que de me livrer le bubble tea, donc forcément, faut qu'ils se retrouvent. Mais c'est exceptionnel, hein, les gars. Croyez-moi, je n'achète pas des bubble tea à 11 balles tous les jours. Hein. C'est la première fois et c'est la dernière fois, les gars. Calmez-vous quand même. Hein. Croyez pas, c'est la fête. Hein. Mais de temps en temps, Alors, Panda Mignonne, du coup. On va voir ton deal. Et ensuite, bah du coup, c'est la dernière île. BJ. J'ai failli dire le code à haute voix comme un débile. Hop. Voilà. Mais oui, je le savoure. Croyez-moi, vu le prix, je le savoure très fort. Je le savoure très très fort. Alors, est-ce que ça va fonctionner?
Donc c'était bien moi, hein. Pour ceux qui posent la question, oui, Oka est à la maison. Ça, chaque gorgée, ça vaut limite 50 centimes, ça vaut bien. J'avoue, regarde, attends, là 50 centimes, mec. 50 centimes. J'irai voir après, Woody. J'irai voir après. Après le live. Ouais, j'avoue. Mais j'avoue, en vrai. Il faut bien le savourer de ouf. Mais en même temps, j'en avais tellement envie. Et nous voici sur l'île de Panda Mignon. Sora Family. T'inquiète, Chloé, t'inquiète. Regardez, là, on les voit de ouf, les billes. Merci beaucoup, petit Sakura, qui gift un sub et qui a déjà offert 4 abonnements sur la chaîne. Merci beaucoup, petit Sakura, ça fait plaisir. Ouais, du coup, je disais, Oka n'est pas... Oka est à la maison. C'est ma chérie qui la garde. Pendant que moi, je fais... le live. Oh waouh, le t-shirt couronne. Waouh. Hello. Oh, j'ai des cadeaux. Îlot de cuisine, je prends. Chandelier d'or, waouh, je prends. Cuiseur de riz, je prends. Smoking, je prends. Sol bidet de banque, je prends. Nakashi Somen, je prends. Sphère en bambou, je prends. C'est quoi ça aussi? Je prends. Corbeille en bambou, je prends. Mais je suis gâté, dis donc. Kotatsu. Enfin, t'as vidé toute l'île pour me filer des cadeaux. Comment ça se passe? Waouh. Ça, je l'aime et je le prends quand même. Lampe palmier, je prends. Ça, c'est quoi ça? Chaise de jardin naturel, je prends. Alors, pour la mignonne, j'ai bientôt plus hors de place. C'est quoi ça? Mur en pierre traditionnelle, je prends. Lampe de sauvambolou, je prends. Moulin café, je prends aussi. Merci beaucoup. C'est beaucoup de cadeaux, ça. Merci. Des comurales en bambou, je prends. Il prend, nous prenons. Waouh, c'est joli, ces petits parterres de fleurs. Oh, t'as une tenue d'aventurier là, trop stylé, de chevalier, de prince. Attends, je la veux, je vais l'acheter. Elle est cool. Vous prenez, on prend, il prend. On prend les amis, on prend, hashtag on prend. C'est la rue, exactement. La tenue de prince, elle est géniale. Je la veux trop. Une tunique de prince charmant, trop bien. Regardez, what the fuck. Il y a Piglou Piglouette, il y a la couronne, il y a moi. Il y a Cindy, il y a le gilet. Énorme. Oh, le gilet en bas à droite, je le kiffe. Je veux ce motif. Pas de problème. Énorme. Oh, il y a même... Comment je l'avais appelé lui déjà? Comment je l'avais appelé cet aspirateur? Je m'en rappelle plus. Oh, je l'avais appelé... Comment j'ai appelé cet aspirateur déjà? Ou alors il avait des... Henri! Mais oui, c'est Henri! C'est pas moi qui l'ai appelé, il s'appelle Henri. Je crois que c'est sur l'avant-gardiste, il s'appelle Henri. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Damien. Merci beaucoup. Ah, tout le monde se rappelle, hein. Putain, tout le monde se rappelle de... Eh, vous êtes les meilleurs quand même. Hein. Vous êtes quand même au-dessus du game. Hein. Vous êtes des abonnés qui pèsent, mais tellement, les gars. C'est chaud. Hein. Merci. Hein. Ah, putain, je fais mal. Ah, je fais mal. J'ai plus de jus, j'ai que des billes. Bref. Ok, je te suis. Alors. Ici, c'est la rue. Génial. Putain, Sphinx, c'est énorme. Petit onsen. Ouais. Propre. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a des chiottes? Pourquoi il y a un bidet? Qu'est-ce qui s'est passé là? Jacuzzi fanfiction. Ah, c'est...
C'est le jacuzzi de la fanfiction. C'est le jacuzzi de la fanfiction. Et du coup, pour Naminian, tu t'appelles Adriana? C'est ton prénom? Peut-être plus facile de dire Adriana que Pandaminian. Oh, t'as l'île de Pâques, t'as le mec, enfin t'as le gom-gom. T'as le gom-gom. Merci beaucoup Sarada Uchiwa qui prend un sub, deuxième mois d'abonnement. Coucou Sora, ça fait déjà 2 mois que je suis abonné à ta chaîne Twitch. Bah merci beaucoup Sarada, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, elle s'appelle Anaïs. Ok. Génial. Je suis mort. Les gars, vous connaissez tous... D'où il y a 1 milliard de personnes qui me sortent un bail de... qui me sortent un bail de... Ouais, elle s'appelle Anaïs. Vous connaissez tous Pandaminian en fait. Pandaminian, c'est vraiment... Elle est partout, les gars. Elle est partout. Ça me bute. Ok. Et bah écoutez... Pandaminian, Anaïs, on continue. On continue. On te suit. C'est une star, bah ouais hein. Ah bah ouais, c'est sûr que dans la Sora Family. Ah c'est sûr que sur ma communauté. Ah oui, Pandaminian elle est connue. Y'a pas de soucis que dans le Sora Game, elle est populaire. What the fuck, mais what. Regardez-moi ça, mais est-ce qu'elle est pas folle, sérieux, c'est dingue. What. Bravo, c'est dingue. C'est fou. Là, vous pouvez faire une capture d'écran. C'est le moment. Attendez, je prends la pause. C'est bon. Bref. Franchement, bravo. C'est ouf. Hein. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Bravo. C'est magnifique. Bravo, Anaïs. C'est dingue. C'est trop beau. Ah, oh, il y a même le panneau et tout, mais oh là là. Oh, une fête foraine, trop bien. Ah, il y a même le... Putain, ah non, mais regarde, tu vois. Elle est abonnée, mais elle vend des goodies. Est-ce que Anaïs, tu as eu... Est-ce que tu as eu les droits pour vendre ces goodies? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, on se fait de l'argent sur mon dos. Ça va pas du tout. Elle est où la tombe du respect? Oh, ça fait peur ça. Pourquoi il y a une poupée ici? Ça fait flipper. Pourquoi il y a une poupée? Attends, elle fait de la musique la poupée? Je sais pas, c'est moi, j'entendais une petite musique bizarre. C'est quoi qui fait de la musique? Il y a une radio, il y a quelque chose? Je sais pas, bref. Ok, et eh ben c'est très sympa. On continue, on te suit Anaïs, on te suit. Ah, c'est le crâne. Ah d'accord, putain, je me disais merde, la poupée elle est hantée quoi. Je me disais merde, la poupée elle est hantée mec. Mais de ouf Frit, je vais demander des royalties, je vais demander mes droits d'auteur. Alors, là il s'est passé quoi? Ici c'est un petit peu ton bail où tu tapes tes meilleures coutures etc. J'en étais sûr, ah trop bien. Trop bien. Ok, ensuite, attends, je vais regarder où c'était villageois. C'est quoi comme villageois? Alors, Nathan, il est dégueu. Vanessa, elle est dégueu. Ben est stylé. Arnold, pas ouf. Cornio, ouais. Reynald, pas mal. Bouloge, trop mignon. Bertha, pas mal. Oh, Esther, adorable. Esther et Bouloge. Bouloge, il est incroyable. Attends, c'est moi, il y a écrit Sora en bas à gauche. Il y a écrit Sora sur l'île, what the fuck. Incroyable. Mais t'as dû galérer de ouf pour écrire Sora sur l'île. Regardez, il y a Sora en bas à gauche, là. C'est écrit Sora, what the fuck. Bah Vanessa elle est pas ouf non. Bah après peut-être qu'en vrai elle est mieux. Mais là comme ça pff, pas fou hein. Par contre Bouloche, trop mignon quoi. Après on ira voir Bouloche. Ok. On va où Anaïs maintenant? Vanessa, Winnie, quoi. Là, il y a une grosse salle de concert. Trop bien. Ça va être une musique. L'appareil ne diffuse aucune chanson en ce moment. Lève les yeux aussi. Échange ta vie en aventure, évidemment.
trop bien. Ah, il faut que je monte. Hop. Là, c'est le camping, ok, d'accord, je vois. Camping The Last of Us, ah, génial. Ah ouais, de ouf, t'as fait les trucs un petit peu... Ah, c'est stylé, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. T'as déjà tous les fossiles? Bah, je peux pas creuser. On n'est pas un meilleur pote sur le jeu. Vas-y, fais-moi la suite de la visite. Bah là, du coup, là, c'est là où il y a écrit, c'est là où il y a écrit Sora. Waouh, incroyable. C'est fou. Ah, on peut grimper par là? Et on saute ou pas? Ça marche? Ah ouais, ça marche. Attends, merde, je suis bloqué. Je suis bloqué. Comment t'as fait? Ok, très bien. S. O. C'est génial. Mais pourquoi je peux pas passer, moi, putain? Ok. R. Trop bien. Le gars, il a écrit Sora sur son île, quoi. Ça me bute, c'est incroyable. Et on redescend par là, du coup? Non, on peut pas. On redescend par là. Hop. Le premier en bas, il a gagné. Bah c'est pas moi. C'est pas moi. Allez, mais d'où tu te prépares comme ça pendant 20 minutes? Allez. Ouais, j'ai fait exprès pour te faire gagner parce que t'es une abonnée, c'est pour ça aussi. C'est juste pour ça, voilà. Tadam. Bon, un peu en roi sous la pluie, mais bon. Hop. Bravo. Y'a des trucs à Naïs ou pas? On a fait le tour. Oui, on croit. Oui, oh, ça va, ça va, ça va. Alors, ici, y'a quoi par là? Ma maison. Ok. Ça, c'est ta maison, ça? Non, ça c'est chez Arnold. Elle est où ta maison? Lui je le déteste. Ouais, il est un peu éclaté, j'avoue. Il est un peu claqué, ouais, j'avoue. J'ai pas de mytho. Il a pas l'air foufou, ouais. Alors. Déjà, on va aller voir Bouloche. Avant toute chose. Parce que Bouloche, on a envie de voir sa maison. On a très envie de voir Bouloche. On est loin de Bouloche là. Attendez, Bouloche, 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 Bouloche. C'est un labyrinthe son... Ah, peut-être là? Chez Bertha. Non, c'est pas la Bertha. Lui, Bouloche? Oui, c'est chez Bouloche. Alors, est-ce qu'il est là? Putain, il est pas là. Quel relou. On va jamais le trouver, laisse tomber. Ouais, bah oui, bah du coup, on le verra jamais, quoi. Bon, et bah écoute, rip, Bouloche. En tout cas, une grosse pensée à lui, il avait l'air sympa. Il avait l'air sympa. De quelque part. Ça, pourquoi tous les meilleurs personnages sont sportifs? Moi, ça me fait culpabiliser, moi. Vas-y, on va à ta maison, Anaïs. Alors, elle est où? Peut-être qu'il est sur la plage. Peut-être. Bouloche? Bouloche? Non, c'est pas toi qu'on veut. Anaïs n'a rien remarqué. Oh, Bouloche, il est là! Trop mignon! Trop, trop mignon! Il est adorable, hein. Il est adorable. Il est beau. Il est magnifique. Ok. Vas-y, j'arrive, j'arrive. J'arrive à ta maison, j'arrive à ta maison. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Si je retrouve le chemin. Oui, c'est bon, j'arrive. Mais non, mais c'est bon, je suis là! C'est bon, je suis là! Allez, hop là! Salut! Oh, waouh! Oh, waouh! Stylé! Le petit coussin Sora, trop bien! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, c'est des poissons!
C'est des poissons rouges? C'est des carpes koi? Stylé. Alors, fais-nous la visite. Du coup, ça c'est le salon. Ensuite, où on va? C'est des carpes koi? Eh ben, c'est très joli. À droite, alors. C'est forcément la cuisine. À droite, c'est toujours la cuisine. Est-ce que c'est la cuisine? C'est la cuisine, c'est toujours la cuisine à droite, hein. La cuisine, la petite cuisine, ça tape ses meilleurs gâteaux. Pas mal. Trop bien. Par contre, hé, quand on a terminé d'utiliser l'eau, on éteint le robinet. C'est la base, ça. De ta faute, à force de quoi? Chercher Ilo. Ah bah oui. Très mignon la petite cuisine. Oui, on ferme le robinet, bien sûr. À gauche, qu'est-ce qu'il y a? Non, en haut, c'est la salle de bain. En haut, c'est forcément la salle de bain. Ah non, c'est pas la salle de bain, c'est quoi? C'est une salle de jeu, une salle de détente? Qu'est-ce? Est-ce que c'est la salle de détente? Cozy bureau, ok, c'est un petit bureau, cozy, très bien, pas mal, pas mal. Merci beaucoup Asmog, Asmog Azog pour le sub avec ton Prime. Merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup. Ensuite, on va où? On va chercher toujours planche à pain. Non, t'inquiète, je l'ai eu. Je l'ai tellement tryhard la planche à pain, t'inquiète, je l'ai eu. À gauche, on a la salle de bain. Oh, waouh! C'est un lieu de culte pour moi en fait. À gauche, c'est un lieu de culte pour moi. C'est l'endroit full Sora. Wouah, trop stylé. Il y a toutes les peintures et tout, c'est trop ouf. Il y a Henri. Ici, il y a quoi? Tous ces petits pulls et tout. Oh, il y a même une bague. Putain, trop bien. Mais la bague, c'est trop bien, je la veux trop. De ouf. À cause de toi et tes vidéos ainsi que live, mon mec a cru que je le trompais et m'a engueulé. Sérieux? Désolé Kenny, c'est pas ma faute. Attends, t'as dit quoi du coup? J'ai loupé. Pour ta chérie, veut-elle être la maman de la Sora Family? Oh, c'est trop mignon. Ah bah écoute, faudra que je lui pose la question. Même si à mon avis elle voudra toujours rester secrète. Mais oui, dans l'ombre, elle agira dans l'ombre. Trop bien. La bague, je la veux trop. Du coup, il y a plusieurs écrans. Donc t'as le noir, Blue elle avait la blanche, trop bien. Putain, j'ai trop le seum d'avoir raté l'événement mariage. J'ai des boules en vrai. Merci beaucoup Anaria pour le sub, deuxième mois d'abonnement, ça fait plaisir. Encore un mois tu auras l'évolution de la... Comment dire, de la fleur. Merci beaucoup Anaria, yo. Ce sera notre maman dans l'ombre. Mais elle existe vraiment cette fille? Oui, elle existe. Mais elle est cachée. Oh, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi? C'est la chambre d'amis? C'est la fête, ici? Oh, j'ai oublié 3 cadeaux. Ah bah oui. Ah bah là, je peux pas les récupérer en plus. Je peux pas les récupérer parce que c'est chez toi. Ah, trop bien, tu peux faire un méga... un méga rond. Trop bien, une méga roulade. Génial. C'est rigolo. Si, tu sors. Ah ouais? Ah, si je sors de la maison? Ok. Bah, je vais regarder le dernier truc en bas là. Et ensuite, je sors de la maison. Avant, je regarde le truc du bas. Oh, stylé! Toi aussi, t'as une chambre secrète, un peu fantastique, trop bien! Moi, c'est Japon, toi, c'est plus jungle et tout, trop stylé! Ça rend grave bien. Pas mal du tout.
Pas mal du tout. Ah, un peu The Last of Us, génial. Franchement stylé, franchement stylé. Aïe. Ok, bah je sors. Je te laisse récupérer les trois plans. Et ensuite, on enchaînera avec Sea of Thieves. Pour l'événement mariage, t'as vu Time Travel jusqu'au 1 juin. D'accord, ok. Je ne savais pas. Et du coup, si je time travel, est-ce que du coup, il y a mes... Est-ce que ça va impacter mes habitants ou un bail comme ça? Ouais, il est 14h49, pas de soucis. De toute façon, Sea of Thieves, je l'avais plus ou moins mis à 15h. Donc vous inquiétez pas, tranquille. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout, ça impacte rien. Ok, bah super, trop bien. Parce que j'ai trop peur, moi à chaque fois, j'ai trop peur que mes villageois se barrent parce que je time travel en fait. J'ai trop peur. Mais je sais pas, c'est qui m'avait dit ça. Mais ouais, du coup, j'ai trop peur, j'ose jamais en fait. Et si vous me dites que c'est bon. Même le drapeau, c'est le tatouage, c'est génial. C'est ma couronne. C'est ma couronne. Et un tigre. Allez, bouge. Alors, qu'est-ce que c'est? Vaisselle en terracotta. Très sympathique. Table basse en bois de fer. Très sympathique. Je prends. Bague en diamant. Oh, je prends. Merci beaucoup pour la bague en diamant. Trop bien. Trop, trop bien. Merci beaucoup. Oh, elle aime la coque, what the fuck. Elle aime la coque Sora, ça me bute. C'est incroyable. La coque Sora. En fait, t'es sponsor Sora, c'est incroyable. Je te sponsorise sans même le savoir, c'est dingue. Trop bien. Bah merci beaucoup Anaïs, c'était trop trop bien. Bravo pour ton île. Attention scarabée. Quoi? Attention scarabée. Oh, il y a un scarabée, d'accord. J'ai trop envie de courir pour qu'il se barre. Mais je vais pas le faire parce que je suis gentil. Mais j'ai trop envie de courir. J'ai trop envie. Ah, attends. Ah, si j'ai pas. C'est une bonne question si j'ai pas. Attends, je vais voir. Non, t'as couru. Voilà. Et bon, le scarabée a disparu. À jamais. Adieu, scarabée. Adieu. Ma blague s'est retournée contre moi. Rip. Tant pis, c'est pas grave, t'inquiète Anaïs, t'inquiète. Ok les amis, bah du coup on va... Oh, Bouloche est juste ici, parfait. Et bah bisous Bouloche. Bisous, lui il est pas mal aussi hein, je l'aime bien, il est rigolo. D'accord, il m'a saoulé, allez c'est bon, tu me gueules pas dessus comme ça, tu m'as saoulé. Tiens. Bonjour déjà, non. Ok, et bah écoute, on s'en va. On s'en va, merde, merde, je cours, non, ne pas courir sur les fleurs, ne pas courir sur les fleurs, on court pas sur les fleurs. Mais comment on s'en va de son île? En fait, c'est un labyrinthe, elle te piège ici à tout jamais, et tu peux plus repartir. D'accord, tout à droite, ok. Piégé pour l'éternité. Ok, très bien. Merci beaucoup, Anaïs. C'est une très belle île. Merci beaucoup. Et bon, on dit tous bravo, Anaïs, parce que son île était super sympa aussi. Elle a dit quoi, Dooms quoi? Je lis le chat les amis, hein. Je lis le chat mais vous êtes beaucoup hein. Je vous rappelle que vous êtes 5000 hein, donc je peux pas lire le chat, je peux pas lire tous les messages hein. C'est pas possible. Dooms avait donné un cadeau. Ah c'est possible, c'est possible. Dooms me donne beaucoup de cadeaux. Vous êtes un peu sa messagère. Merci beaucoup. Allez. Ok dadoki. Eh ben c'était pas mal. Je suis content qu'on ait eu la solution de Gaël. Pour comment ça s'appelle, pour Animal Crossing. Parce que je voulais vraiment faire une petite visite de vos îles. Et ça m'avait un petit, ça m'a tristé un peu de pas pouvoir le faire. Du coup je suis content de l'avoir fait, je suis content. Et vous avez des très jolies îles. Bon, en tout cas les deux qu'on a vues étaient vraiment cool. Hein. Oh waouh. Riri. Aloha, aloha cousin. Coucou Riri, 20e mois. Putain ça fait quand même 20 mois que t'es sub à la chaîne frère. Merci beaucoup Riri. C'est le petit POC. Yes. Bah écoute j'arrive. Je vais juste... Bah je vais mettre en facecam en fait. Tac.
Et déjà, je vais couper l'enregistrement pour YouTube. Du coup, merci d'avoir regardé cette première partie du live 8h. Je vous fais des gros bisous et je vous poste très rapidement la suite pour Sea of Thieves, du jeu d'horreur et quelques autres trucs. Voilà, bisous bisous et à très vite.